t'explique. J'étais concentrée, j'étais au téléphone, je sais pas, j'avais la tête ailleurs. Et vous avez vu mes escaliers, comment ils sont? Et pourtant, on a mis des protections, ils sont dangereux, je sais pas, j'ai pas vu. J'ai pris l'escalier dans mon nez, je me suis pété le nez, regardez. Non, non, vous ne rêvez pas, Maeva Ghennam s'est bel et bien cassé le nez en tombant dans les escaliers. Vous rajoutez à ça Amandine Pélissard qui finit en prison et le mariage religieux de Emine qui est une catastrophe, cette semaine était chargée. Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur Mix The Tea, votre émission préférée du dimanche qui revient sur les actualités, télé-réalités, people. Beaucoup d'informations cette semaine, prenez-vous un truc à boire ou à manger, ça dépend à quelle heure cette émission sort ou que vous la regardez. N'oubliez pas de partager pour faire découvrir et de liker pour soutenir. En ce qui me concerne, je vous retrouve après le générique, c'est parti, générique! Je ne m'excuserai pas pour mon jogging, j'ai oublié mon pantalon en velours à la maison. Il fait un froid de canard dehors, je ne sors pas comme ça. Je suis désolé. Également, ça fait bizarre de retrouver des cheveux après plus d'une semaine. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour votre grande émission Mix The Tea. Aujourd'hui, vous allez voir, on va parler de pas mal de choses. Évidemment, comme chaque semaine, je commence avec une mise au point. Mise au point qui revient sur trois points me concernant et vous concernant également. Premièrement, la rentrée. Je sais que toute la semaine qui s'est écoulée était une semaine de reprise pour pas mal d'entre vous. J'espère que ça s'est très bien passé. J'espère que vous avez pu retrouver vos copains, retrouver vos proches et surtout vous remettre dans un mood studio si vous êtes à l'école ou alors work si vous êtes au travail. D'après ce que j'ai compris dans mes commentaires également, vous êtes nombreux et nombreuses à passer des examens en ce moment, donc je vous souhaite tout le courage du monde pour vos révisions, et si jamais vous voulez venir vous détendre, vous divertir, écrivez-moi sur Instagram, on rigole beaucoup. Évidemment, je vous parle également de Twitch qui a maintenant un peu plus d'une semaine me concernant sur l'actualité, et en fait j'arrive pas à en revenir de tous les gens qui me suivent sur Twitch en une semaine, de toutes les personnes qui sont présentes sur les lives, de toutes les personnes qui parlent avec moi dans le chat. Je visais 50 viewers en mode moyen, donc tout le long du chat, pour mars-avril. On les a déjà fait. Je vous remercie du fond du cœur pour ça, et encore une fois, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne Twitch ou la chaîne de replay si vous n'avez pas ou n'aimez pas Twitch. Après, je précise que c'est quand même juste comme une télé sur internet, quoi. Et enfin, dernier petit point qui concerne mes cheveux. Je me suis effectivement montré pour la première fois sur cette chaîne YouTube sans perruque. Je vais pas vous mentir, j'ai versé ma petite larme, étant donné que je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant. Mais quand je vous dis autant, c'est que je crois que j'ai jamais reçu autant de messages et de commentaires en quelques jours me disant « Rudy, enlève ta perruque ». Je pense vous faire une vidéo sur « J'ai enlevé la perruque » ou « J'ai laissé tomber la perruque » parce que je pense que ça peut être significatif pour moi et aussi vous aider à comprendre pourquoi est-ce que j'en portais une. Et du coup, je me dis que vu qu'une chose n'arrive jamais seule et jamais par hasard, c'est peut-être pour ça que la vidéo des 50K, elle a été totalement mise de côté par rapport au clip. Je me dis que finalement, c'est peut-être le temps pour moi de laisser la perruque. Donc voilà, au moment où je vous parle, on est le 13 janvier, il est 9h du matin, je suis un petit peu... En fait, j'ai envie de dire perdu par rapport à cette décision, parce que d'un côté, j'ai envie d'être 100% moi, et de l'autre côté, j'aime aussi l'identité que j'ai avec ces cheveux, donc pourquoi pas alterner, je sais pas. Mais je pense vous préparer une vidéo pour celles et ceux qui demandent, la FAQ aussi des 50 000 est tournée. Il me faut juste le temps de la monter, les gars, je peux pas être partout. Petite mise au point très rapide, comme vous l'avez vu, nous allons passer aux stories de la semaine Top Actu, Cœur Actu, vous connaissez, on a pas mal de choses, on revient notamment sur Maeva Ghennam, Kevin Gage, Danse avec les stars et les exclus croustillantes qu'il y a à l'intérieur, ou encore Polska viré de TPMP. Nous terminerons l'émission avec une découverte de la semaine et un message d'honneur et d'amour pour une collègue à moi, et également un astro actu qui va vous faire un petit peu réfléchir. Moi, ouais, aujourd'hui on réfléchit. C'est ça pour l'émission de cette semaine, j'espère qu'elle vous plaira. Jingle, story de la semaine. Au niveau des stories de la semaine, cette semaine, je commence par vous parler de Cynthia, ancienne candidate de W9. Cynthia a été épinglée par la DGCCRF, ou la DGCRF comme elle dit, et elle a une injonction à cause de fois où elle a pas mis que c'était un placement de produit, une collaboration, un gifting, etc., etc. Vous connaissez un petit peu maintenant. Je vais vous laisser écouter la story parce que j'ai pas mal de choses à dire. D'après ce qu'elle dit, elle a donc été, elle a donc pas respecté la loi 9 fois au cours d'un an ou 2 ans, je ne sais plus exactement. Écoutez, tout est dit. Bon, je viens de finir mon rendez-vous dans les bureaux de la DGCRF. Je vais vous faire un genre de petit résumé. Voilà, donc pour
eux, le fait de ne pas avoir mis le hashtag et de ne pas avoir informé les consommateurs que c'était soit un échange de bons procédés, soit une collaboration rémunérée, pour eux, c'est un délit. Donc voilà, j'ai eu une injonction. Donc je vais devoir mettre la photo de la DGCRF sur mon compte Instagram pendant 30 jours, pendant un mois. Je vais avoir comme une tache noire comme ça sur mon feed, alors que je l'aime trop, mon feed, il est trop beau. Ça va me saouler. Bon, c'est pas grave, ça passe vite. Ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être pire. Il y en a, ils ont eu des procès. Il y en a, ils ont dû payer des amendes. Il y en a, voilà, je vous raconte pas. Mais voilà, moi, ça va. Ça va. C'est pas un truc de fou. En plus, elle me l'a dit. Elle m'a dit, ça va. Sur toute une année, t'as dû oublier de le mettre sur 9 postes. Hein, c'est rien. Mais pour eux, c'est des pratiques commerciales trompeuses de ne pas mettre le hashtag gifting ou hashtag collaboration rémunérée ou alors hashtag, je sais pas moi, publicité. Tout simplement parce qu'on n'informe pas le consommateur du genre de la publicité. Donc, c'est comme un délit. Genre... enfin, bref. Voilà, donc moi, je ne conteste absolument aucune décision. Oui, voilà. Maintenant, bah, je tâcherai de faire attention, tout simplement. Je tâcherai aussi de l'écrire et en caractère normal. Comme ça, au moins, vous n'avez pas à zoomer ou même à croire que c'est pas écrit alors que c'est écrit, c'est juste écrit en petit. Le truc qui me dérange, c'est que, bah, en fait, on dirait qu'elle s'en fiche complètement. On dirait que, bah, c'est pas vraiment une punition, que c'est juste un post, ça va, ça passe, pendant 30 jours. Et, bah, du coup, est-ce que c'est censé donner envie aux influenceurs et aux créateurs de contenu de respecter cette loi, ou est-ce que ça veut juste leur dire, oh, bah, ça va, au pire, on a juste un post à poster, qu'est-ce qu'on s'en fout? Parce que c'est beaucoup de choses qui sont revenues dans les commentaires. Il me semble que le magnéto a été pris chez Lily Lapestouille, de toute façon, c'est écrit, mais moi, j'ai vu des commentaires chez Lily Lapestouille sous son magnéto, où c'était écrit que, bah, de toute façon, oui, c'est pas vraiment une punition. Cynthia, elle a l'air d'en avoir rien à faire et ça peut se comprendre. Enfin, si c'est juste poster un post sur ton compte Instagram alors qu'elle vit même pas d'Instagram, franchement, enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire. Je pense qu'il faudrait prendre aussi des mesures qui sont un peu plus fortes et qui empêcheraient vraiment certains influenceurs de recommencer. Vous me direz ce que vous en pensez, on commence fort, mais voilà, c'est sorti cette semaine, je voulais vous en parler. J'ai vu ça passer sur le compte Clash de Cassos TVR, Manon Tanti serait de retour d'une grande aventure. Je vais pas vous spoil, je vous en ai déjà parlé dans une autre émission avec justement une rubrique spoil, mais effectivement, des Marseillais étaient en tournage dernièrement, ça va être sur le thème d'un jeu. Si jamais vous voulez en savoir plus, dites-le moi et je vous sortirai une vidéo hors émission pour revenir justement sur tous les spoils de cette nouvelle émission. Mais Manon Tanti a l'air épuisée, ça avait l'air assez dur, je vous laisse écouter. De Dubaï, ça fait 3h du mat, c'est pour ça je pense. Et ce matin, réveil tôt, je me suis réveillée à 7h45. Julien dort toujours. Moi, je suis en direction d'un plateau de tournage. Je crois que celui-ci, je n'y ai jamais été. Il me semble. J'attends d'être sur place pour voir. Je vous avoue que c'est un peu l'aventure. C'est pour un tout nouveau programme. Je suis un peu sortie de ma zone de confort, là. Je ne sais pas trop ce qui m'attend. Voilà, je peux vous dire que c'est un peu stressant. C'est un peu stressant parce que déjà de base le concept, je veux pas vous spoiler, mais je vous dis quand même le concept est assez stressant. En plus c'est tout nouveau, donc c'est encore plus stressant. Gros message de soutien pour Jennifer Chacha, étant donné que j'ai vu sa story passer où elle explique que son prétendant, enfin du moins son futur mari qui du coup ne l'est pas, de Maria à tout prix, se serait un peu joué d'elle pour la télé et les caméras et il aurait rencontré une autre personne pendant le tournage même. Donc c'est vraiment quelque chose qui est horrible. Jennifer a été extrêmement blessée, elle a posté un long message en story vidéo que je vais vous laisser écouter et je voulais envoyer un message de soutien pour cette personne parce que effectivement, enfin je me dis, déjà t'arrives et tu ne crois pas forcément en l'amour, etc. parce que tes relations sont un peu chaotiques dans le passé, tu tombes sur quelqu'un que tu penses être quelqu'un de bien et cette personne te la fout à l'envers. Horrible. Donc gros message de soutien à Jennifer Chacha, je vous laisse regarder. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour revenir par rapport à l'épisode de ce soir, il y a des petits points d'éclaircissement que je vais vous apporter parce que évidemment dans un épisode de 42 minutes, vous ne pouvez pas tout voir et tout savoir sur ce qui passe, s'il se passe H24 dans la vie réelle. À savoir que, bon, ça n'a pas été précisé dans l'épisode, mais la fille qu'il rencontre 3-4 jours avant mon arrivée, c'est pas 3-4 jours avant mon arrivée à la vie commune, mais 3-4 jours avant mon arrivée au Cap Ferré, donc au week-end évasion.
juste pour vous situer le niveau de vice du gars. C'est que 3-4 jours avant mon arrivée au week-end évasion, déjà, il annule pas le week-end évasion alors qu'il a un coup de foudre. Il fait passer tout le week-end évasion, donc on comprend mieux pourquoi il est froid, il souffle chaud, il souffle froid. À la fin du week-end, clairement, il me laisse entendre qu'il veut continuer l'aventure avec moi, malgré son coup de foudre. Hein. Et on comprend mieux son discours sur les charros, parce que... Bon, on a été coupé. Donc, vous comprenez mieux maintenant son discours sur les charros du Cap Ferré. Ça fait sens parce que il savait très bien qu'il voyait donc deux filles à la fois, enfin deux au minimum, hein, on va dire. Un mariage dans l'air, celui de Vincent Chogoun. Effectivement, il arriverait en 2025, d'après les informations qu'il a données. Le magnéto vient de chez Lily Lapestouille. Et je vous laisserai vous abonner à ce compte. Il y a beaucoup de magnétos que je ne mets pas, étant donné qu'elle partage vraiment beaucoup de choses. N'hésitez pas si vous voulez toutes les infos en temps et en heure. Mais bon, Vincent Chogoun nous dit donc qu'il va se marier en 2025. Mais il n'a pas fait parler que de lui par ce mariage. Il a aussi été critiqué par un ancien collègue des Ch'tis. On y revient à l'intérieur de l'émission. Je vous laisse regarder Vincent Chogoun très heureux. Et évidemment, j'en plein de bonheur à cette histoire d'amour. 2025, donc on a un an et demi de préparation. On me dit ah mais c'est loin. Ouais c'est loin, mais au moins on va te faire un truc de ouf, car j'ai envie que ma princesse soit la plus heureuse du monde. Donc voilà. Personne n'a parlé de ce que je m'apprête à vous dire et honnêtement je trouve ça dommage parce que vous voyez là par exemple Cynthia, Manon Tanti, Jennifer Chache à Vincent Chogoun, tout ça ça a été mis en avant parce que ça génère du clic, un mariage, la DGCCRF, ou Jennifer Chache qui se fait avoir pour une émission de télé, on est ok, ça fait du clic. Par contre quelque chose qui me dérange, c'est que vous l'avez vu au titre, Mélanie Dedigama aussi cette semaine elle a fait du bruit, bon je parle pas du côté Bastos, Révélation, Laura Lempicka, tout ça, on y revient après, mais elle a quand même posté une story qui a été reprise nulle part, sauf si je l'ai pas vue, et je trouve que c'est dommage étant donné le message qui est passé à l'intérieur. Je vous laisse écouter. Vous l'avez donc compris, Mélanie Dedigama se rend plusieurs fois à des endroits où il y a des chats errants pour les nourrir, pour les aider, pour les brosser, pour les câliner, pour leur donner de l'eau. Et je trouve que c'est quelque chose qui est remarquable et je trouve que c'est quelque chose qui n'est pas assez mis en avant. Alors moi, je lui ai écrit pour lui dire que c'était formidable ce qu'elle faisait. Elle a vu mon message, elle m'a répondu. Mais je trouve ça dommage en fait qu'on ne mette pas ce genre de choses en avant et qu'on parle toujours des choses mauvaises. C'est ultra positif, c'est un fucking bon exemple pour sa communauté en mode aller aider les chats et en plus c'était écrit stériliser les en dessous, donc vraiment tout est vraiment bien pensé et j'adore Mélanie Dedigama pour sa prise de position quant aux animaux, je vous l'avais déjà dit et c'est sur ça que je voulais terminer les stories de la semaine. Vous inquiétez pas, la beauté naturelle arrive, sur un petit peu d'espoir parce que franchement quand je vois ce genre de choses ça me donne de l'espoir. Et enfin, comme chaque semaine, petite beauté naturelle, mention spéciale à toutes les personnes qui n'arrêtent pas de m'envoyer des loups-garous dans la neige. Je trouve ça magnifique, mais j'ai eu un penchant pour une beauté naturelle. Je vous laisse regarder. Voilà tout le monde pour les stories de la semaine. J'espère sincèrement qu'elles ont pu vous plaire. On va passer au top actu. Top actu qui est assez court, mais vous allez voir, on a un cœur actu très lourd. Dans le top actu, les plus grosses choses dont nous allons parler sont Yesta et sa grossesse. Elle a eu un début de grossesse difficile. Aujourd'hui, les choses vont mieux. Adixa réagit en exclusivité pour Marier à tout prix pour MTT. Le retour de Secret Story, évidemment. Nous parlons aussi de Giuseppa et de Danse avec les Stars. Donc, c'est parti. Jingle, top actu. Une des deux sœurs, Elimer, a été au cœur de l'actualité cette semaine, il faut que je vous raconte. Comme le rapporte le média officiel.fr, c'est en 2020 que Océane Elimer a fait son grand retour en télé-réalité. Elle intégrait les Marseillais aux Caraïbes, elle a eu un gros rapprochement avec Benjamin Samat, et ensuite ils ont participé aux Apprentis Aventuriers ensemble. C'est vrai qu'on avait toujours eu cette image d'Océane qui soit veut briser des couples, soit veut se rapprocher de tout le monde, mais je pense une fois de plus que c'est peut-être un rôle qui lui a été attribué par la production. Océane Elimer fait beaucoup parler, notamment déjà parce que récemment elle a adopté une nouvelle coupe de cheveux. C'est quelque chose qui n'a pas été apprécié des internautes, étant donné que sur la photo postée, il y a eu énormément de critiques. Il y a eu beaucoup de commentaires disant qu'elle ressemble à Michael Jackson, mais pas dans le mode, dans un mode péjoratif du terme, qu'elle est méconnaissable, qu'elle a abusé de la chirurgie. On peut lire quel gâchis d'avoir fait tous ces changements sur ton visage. Mais du coup, c'est quoi le rapport avec les cheveux et pourquoi est-ce qu'on l'insulte? Je ne suis pas pour la chirurgie à outrance, je suis juste pour l'humain. Et là, ce que je me dis, c'est que Océane Elimer partage une coupe de cheveux, elle est insultée sur sa tête et en plus insultée par des gens qui la suivent. On ne suit pas quelqu'un si c'est pour l'insulter tous les jours.
Vous pensez que c'était tout? Bien sûr que non, ça va plus loin. Le 8 janvier, Océane publie une série de photos sur Instagram et comme d'habitude, il y a pas mal de commentaires négatifs. Il y en a beaucoup qui parlent de son apparence, qui la complimentent, etc. Mais il y en a d'autres qui disent que ses photos sont ultra retouchées. Comme d'habitude, je le répète, on connaît Océane Elimer. Marine retouche-moi ses photos. Océane les a toujours retouchées face-tune, face-up. Et oui, elle a fait de la chirurgie esthétique. Je la connais pas, c'est pas pour la défendre, mais je vois pas l'intérêt d'aller suivre un compte qui va m'énerver si c'est pour insulter tous les posts. Mais bref, on pouvait lire, t'es belle, pourquoi retoucher tes photos à ce point? C'est hallucinant, on dirait une poupée de cire. Vous abusez grave avec vos retouches. Elle a été belle. Là, elle est trop maigre. Et le visage, mon Dieu, y a plus rien de naturel et de joli. Je suis d'accord avec les internautes sur un point, c'est que c'est dommage de faire de la chirurgie à outrance quand on n'est pas forcément prêt ou prête. Je dis pas que c'est le cas d'Océane, je pense qu'elle était prête à faire tout ce qu'elle a fait, mais ce que je veux dire c'est que faut pas non plus montrer cet exemple de chirurgie à outrance. Mais c'est pas ce dont elle parle ici, elle parlait de ses cheveux, et après elle a juste posté une photo avec sa sœur, et les deux photos n'ont rien à voir avec sa peau, sa tête, ou peu importe, et tout est critiqué, tout, absolument tout, et donc je répète, pourquoi aller suivre des gens si c'est pour les insulter tous les jours? Enfin c'est comme si je prenais quelqu'un qui m'a fait du mal, ou quelqu'un que j'aime pas, c'est rare, mais quelqu'un que je ne supporte pas, on va dire, que j'aime pas c'est vraiment fort, quelqu'un que je supporte pas, et je vais le suivre, et je vais commenter tous ses posts tous les jours, oh là là qu'est-ce que t'es moche, oh là là qu'est-ce que t'es moche, oh là là qu'est-ce que t'es moche, bah non, enfin je vois pas l'intérêt. Je reviens, faut que j'aille éteindre mon pelé qui arrête pas de sonner, on adore. Comme je vous l'ai dit à la fin des stories de la semaine, je vous parle également de Yesta Hillman ici. Yesta donne des nouvelles, je partage ça avec vous parce que je sais que vous aimez bien suivre les grossesses à travers MTT. Je pense que vous vous rappelez, fin du mois de novembre, Yesta partageait des nouvelles assez tristes. Elle disait que sa grossesse rencontrait certaines complications. Elle disait qu'elle avait perdu beaucoup de sang, qu'elle avait été en urgence à l'hôpital et que le diagnostic avait été rendu. Deux hématomes importants ont été vus. Son second trimestre de grossesse a donc été assez chaotique, et le 9 janvier, elle a décidé de donner des nouvelles. Elle a partagé des nouvelles très rassurantes. Elle dit que les hématomes ont disparu et que le bébé se développe harmonieusement, naturellement et de manière, bah, j'ai envie de dire, totalement correcte. C'est une annonce qui, bah, effectivement, a ramené beaucoup d'espoir, de joie et d'amour dans son espace commentaire, ce que je peux comprendre, notamment quand on la suit pour sa famille, même si, je le rappelle, je ne suis vraiment pas pour les enfants exposés, mais Yesta me semble être une bonne personne, donc je sépare les choses, tout simplement. On a aussi vu Yesta souriante avec une échographie 3D et donc un aperçu de son futur enfant. Ce sont des choses qu'elle a postées sur Instagram avec la légende T2 Morphologie. Et je dois vous annoncer que tout va bien, il n'y a plus d'hématomes et bébé va super bien. Il grandit parfaitement et se développe à merveille. Je l'ai vu passer dans certains médias et aussi sur ses commentaires eux-mêmes. C'est vrai que Yesta montre la résilience d'une femme qui traverse des complications par rapport à sa grossesse. Et je trouve ça bien aussi de partager ça et de ne pas partager que, vous le savez, il y a vraiment cette chose qui ressort beaucoup de les grossesses sur Instagram, elles sont parfaites. Il n'y a pas d'embûche, il n'y a rien. La maman tombe enceinte et puis ensuite elle accouche, tout va bien, le bébé est beau, on l'expose, etc. Eh bien, Yesta, elle a cassé ses codes, comme je ne vous ai pas d'ailleurs, et elles ont toutes deux, ou même d'autres candidats, enfin bref, vous avez compris, montrer que c'est pas ça et qu'il y a d'autres choses, qu'il y a des moments qui vont être compliqués, qu'il y a des moments dans la grossesse qui peuvent faire très peur. Et j'aime beaucoup parce que ça permet de préparer aussi les audiences à des choses qui sont naturelles et qui sont vraies et qui pourront se passer. Quoi qu'il en soit, félicitations Yesta pour cette grossesse. J'envoie énormément de courage et pour terminer sur un magnéto, il me semble qu'elle s'est aussi coupée les cheveux. Je vous laisse regarder. Actualité vue par Blasting News, car j'ai très vite décroché de Maria à tout prix, je vais pas vous mentir. On le sait, Adixia a eu une relation très compliquée avec Simon Castaldi, et ensuite elle a trouvé l'amour dans Maria à tout prix. Elle a commencé une histoire d'amour avec Simon, mais cette fois-ci Simon Ferraud. Ils deviennent très proches, et c'est vrai qu'ils ont fini par officialiser leur couple assez tôt. Mais moi j'ai très vite décroché de Maria à tout prix, vous me direz si vous aussi. En fait j'ai regardé les premiers épisodes, et après ça m'a un peu saoulé toutes ces histoires d'amour, et j'ai décroché, et je n'ai jamais re-regardé, donc là je vois des extraits passer, je parle avec les candidats aussi, mais c'est tout, sinon je n'ai pas suivi. Simon a d'ailleurs avoué, donc le nouveau, hein, sa paternité à Adixia, et donc tout le monde s'était dit « Oh my god, ça va faire fuir Adixia, c'est terminé ». Eh bien non, leur relation s'est encore plus vite renforcée. Adixia a annoncé être officiellement en couple à sa famille, à sa mère, à sa grand-mère, etc., alors qu'il n'était pas du tout prêt pour cette expérience, Maria à tout prix. Elle disait « On enterre notre célibat ».
On a également vu que ça a parlé mariage, mais que Simon n'est pas du tout prêt pour le moment, c'est totalement normal, mais que bah, c'est un peu le concept de l'émission. La grand-mère d'Adixia était contre l'idée qu'elle participe à Maria à tout prix, parce que bah, c'est quelque chose qui lui faisait peur, mais elle a finalement changé d'avis. Sa mamie dit « Simon va très bien avec ma petite fille, je ne lui souhaite que mon bonheur ». Elle disait d'ailleurs que Simon était quelqu'un de très gentil, agréable, etc. Mais je peux comprendre en fait la famille qui a vu bah, les désillusions amoureuses auxquelles Adixia a fait face, avoir peur pour, bah, pour leur fille, pour leur petite fille, etc. Je trouve ça bien qu'ils aient fini par ouvrir leur esprit et accepter la situation. D'ailleurs, Adixia a répondu à une de mes questions par rapport à Maria à tout prix. Je lui ai écrit hier. Je lui ai demandé si elle voulait réagir par rapport bah, à sa famille qui la voit participer à cette expérience, etc. Comment est-ce qu'ils ont réagi au moment du tournage, mais sans ce qu'on a vu dans les caméras, donc leur vraie réaction. Et Adixia m'a répondu, je vous laisse écouter. Coucou, ben bonne année à toi aussi, ça me fait plaisir de t'entendre. Et alors pour répondre à ta question, c'est vrai que ma famille, ils n'étaient pas très d'accord parce que tu sais, se marier en 40 jours, c'est un peu délicat quand même. Et au final, en fait, quand ils m'ont vue au fil des jours heureuse, épanouie, illuminée, parce que tu sais, j'étais un peu triste les derniers mois. Ils m'ont connue vraiment, genre j'étais plus leur petite Adixia, quoi. J'étais vraiment un peu là, mais sans être là. Et quand ils ont vu à nouveau ce soleil en moi, on va dire, bah du coup, ils se sont dit, ok, bah en fait, ce garçon-là, elle la rend heureuse et pourquoi pas, quoi. Et puis, je leur ai beaucoup parlé, j'aurais beaucoup expliqué que c'est, dans tous les cas, je suis tombée amoureuse de lui comme un amour que je n'ai plus ressenti depuis tellement longtemps et que je ne comptais pas passer ça sous le nez, quoi. Voilà pour la petite réponse de Adixia par rapport à ça. Honnêtement, ça me touche beaucoup parce que j'adore voir de l'amour. Bon, dans Maria à tout prix, j'ai galéré à accepter l'amour qui est montré. Mais je sais pas, c'est peut-être parce que c'est une émission faite comme ça, mariée. Au premier regard, j'étais à fond dans Maria à tout prix. Je sais pas, j'ai eu beaucoup de mal. Mais en tout cas, Adixia parle d'amour, elle a l'air heureuse. Je pense que vous l'entendez aussi dans sa voix. Et c'est quelque chose qui me ravit parce que les derniers mois et même les dernières années ont été très compliquées pour elle, et aujourd'hui, ça va mieux. Secret Story a marqué vraiment la télévision française avec un concept vraiment incroyable entre l'enfermement et puis les caméras H24, les secrets, les missions. C'est vraiment une télé qui a rassemblé beaucoup de personnes qui ont justement découvert la télé-réalité. Et bien après une très longue pause, soyez ravis, l'émission revient et ils veulent vraiment beaucoup de choses innovantes pour surprendre et reséduire le public. L'un des éléments qui a été le plus questionné était la personne à la tête de la présentation. Le nouvel animateur ou la nouvelle animatrice. D'ailleurs, il y avait beaucoup de rumeurs qui disaient qu'ils auraient bien aimé prendre une femme à la tête. Honnêtement, je m'étais dit « Waouh, trop bien !» Mais finalement, la rumeur est vite passée, vous allez comprendre. Les spéculations vont vraiment de bon train absolument partout. On a eu Nabila comme idée, on a eu évidemment Benjamin Castaldi. Et finalement, le 7 janvier, on a eu le vrai nom. Animateur que vous connaissez tous, Christophe Beaugrand, qui avait repris les rênes de Secret Story après le départ de Benjamin en 2015. Il avait fait plusieurs saisons, il avait réussi à conquérir le cœur du public. Eh bien, aujourd'hui, il est de retour. Et croyez-le ou non, mais Benjamin Castaldi a réagi. Comme je l'ai lu sur Gossip Room, il exprime ses félicitations chaleureuses par rapport à son collègue pour son remarquable travail à l'animation de Secret Story. Il parle aussi du charisme, professionnalisme et la passion que Christophe Beaugrand a pour justement cette émission qui ont su captiver les téléspectateurs, apportant une touche unique à chaque émission. Il dit, je cite, « Son engagement et son talent ont incontestablement marqué le paysage audiovisuel, offrant des moments inoubliables aux fans du programme. Bravo à lui !» Franchement, pour réagir, je vous dis que c'est ultra fair play parce que j'avais déjà vu pas mal de rumeurs qui disaient qu'il y avait des tensions entre Benjamin Castaldi et Christophe Beaugrand. Si vous êtes au courant de ça avec preuve, dites-le moi dans les commentaires. Et si c'est le cas, bah franchement, je trouve ça très fair play de dire justement que bah, la personne qui va revenir, qui n'est pas soi, a un très bon professionnalisme, a du charisme, va vraiment gérer. Je trouve ça bien et ça montre un petit peu de fair play dans ce milieu. Vous me donnerez vos avis quant au choix de l'animateur. Moi, je vais pas vous mentir, j'adore Christophe Beaugrand pour Secret Story, mais j'avais bien envie de voir une Elsa Fayer, vous voyez ce que je veux dire, ou même Nabila. Une femme à la tête de cette émission, ça m'aurait fait extrêmement plaisir, mais non, ce n'est pas le cas. Vous me direz ce que vous en pensez. Récemment, Mila Jasmine a vécu pas mal de choses. Vous allez voir, on y revient à la fin de l'émission, mais là, je vais vous parler de quelque chose qui a fait vraiment du bruit. Elle a partagé un incident vraiment flippant lors d'un séjour où elle était à Tulum, au Mexique, avec son mari. En fait, elle est en train de traverser le désert. Il y a une voiture de police qui s'approche et ils disent que les feux de sa voiture étaient éteints. Mila n'y croit pas. Elle assure que c'était infondé. Elle dit que c'était impossible de rouler dans l'obscurité, dans le désert, sans feu. Donc, c'est faux. Mais finalement, la situation devient
vraiment flippante, tel un film d'horreur. Je cite, « Trois individus cagoulés armés de mitraillettes ont fait irruption, prétendant être des policiers et exigeant de l'argent. » C'est une situation qui a fait extrêmement peur à Mila, qui lui a laissé certains traumatismes. Encore aujourd'hui, je l'ai vu en parler sur Instagram dernièrement. Elle a décidé de partager tout ça après avoir quitté le pays, en évidemment inquiétant un petit peu tout le monde. Mais ce que je trouve vraiment scandaleux, c'est que c'est pas la première fois que ça arrive, il me semble, au Mexique du moins. J'avais déjà aussi entendu parler d'une personnalité qui était allée au Mexique et qui avait eu un problème. Il me semble que c'était un YouTuber, peut-être Joyka, je ne suis pas sûr, mais c'est pas la première fois. Et en fait, il y a vraiment ces rumeurs qui disent qu'au Mexique, il faut faire très attention. Mila a pris la parole, elle semble vraiment traumatisée. Je vous laisse regarder. Et pour être tout à fait sincère avec vous, franchement, en fait, j'hésitais vraiment à vous raconter cette histoire. Et en même temps, j'attendais de quitter le territoire pour vous raconter l'histoire parce que je me dis, je suis pas à l'abri, genre ça me fait un peu flipper. En fait, donc on est parti à cette soirée mystique, d'accord? Parce que pour moi, je trouve qu'elle était chelou la soirée, après chacun son délire. Et après, on est rentré. Donc on est rentré avec mon mari, on est rentré avec ma copine et son mari aussi. Donc on est quatre en tout. Et en fait, sur le chemin du retour, moi, je vous ai dit que mon hôtel, c'était genre dans la jungle. Malheureusement, c'est pas sur la ligne droite de Tulum, là où il y a la plage. Mais en vrai, c'est à 9 minutes ou 10 minutes. C'est vraiment à côté. Mais en voiture, en fait, on est obligé de prendre un chemin dans la jungle. Et d'ailleurs, pour aller à l'hôtel, on est obligé de prendre une route trop bizarre. Genre, bref, on dirait qu'il y a des crocodiles, même s'il n'y a pas de crocodiles. Donc, c'est un peu compliqué. Mais en vrai, tout est à côté. Mais il faut quand même se taper cette ligne droite. Il faut quand même rentrer par la forêt, ce qui fait un peu peur. Et là, on rentre, donc on est sur le chemin du retour. A priori, on est à peut-être 4 minutes de la maison, c'est-à-dire on est vraiment à côté. Et là, en fait, il y a une voiture. Je vous jure, j'ai trop peur de parler, mais je veux quand même vous raconter l'histoire. Il y a une voiture de police qui passe donc dans le sens inverse. Nous, on roule comme ça, la voiture, elle passe comme ça. Et en fait, elle fait demi-tour et elle se met à nous suivre. Et moi, je vous ai dit, à l'aéroport, il y avait des amis à ma copine qui nous ont prévenus, qui nous ont dit « Ouais, faites attention ». Et tout, parfois on peut vous arrêter et genre on demande de l'argent. Et c'était un 4x4 genre trop bizarre, c'était pas comme ceux qu'on a l'habitude de voir, donc je sais pas si c'est un truc fake. Et en fait ils commencent à mettre genre les gyrophares et tout, alors que nous on roulait tranquillement, franchement il n'y avait pas d'excès de vitesse, pas rien. Et là, je vous le jure, il y a des mecs, ils étaient peut-être 3 cagoulés qui débarquent, mitraillettes, non mais genre vraiment, vraiment comme dans les films, comme dans une série. Sauf qu'il est genre 3h ou 4h du matin, on est en pleine jungle, il n'y a personne, cagoulés, ils étaient cagoulés. Et là, à ce moment-là, genre, ils commencent à nous parler en espagnol et tout, ils commencent à traduire et ils commencent à dire qu'en gros, on a les feux éteints. Sauf que c'est pas vrai, jamais de la vie on va rouler les feux éteints. Et là, on comprend qu'en fait, on n'a pas le choix, genre, c'est du mytho, c'est une technique. Vous voyez ce que je veux dire? Sauf que quand vous êtes en plein milieu de la jungle au Mexique, croyez-moi que vous n'avez pas envie de vous embrouiller avec la personne, surtout qui est cagoulée et mitraillée. Ne vous inquiétez pas, nous revenons sur Roxane, atelier de Roxane, à la fin d'émission. Ici, c'était un petit peu pour vous donner une entrée en matière concernant Mila Jasmine. Décembre 2023, Giuseppa a annoncé qu'elle attendait un nouvel enfant 5 mois après l'arrivée de Georgia. C'est une décision qui a été critiquée, mais à un plus gros point, j'ai jamais vu ça. Je vous ai fait une enquête sur YouTube qui malheureusement n'a pas beaucoup marché. Certains vont dire que je parle que de vues. Non, moi je me plains juste un petit peu étant donné que ce genre de sujet n'est jamais mis en avant. Je parlais de grossesse, je parlais de toutes les critiques qu'elle a eues et je trouvais ça horrible. Donc n'hésitez pas à aller la voir, j'essaierai de vous la mettre en barre d'infos si j'y pense. Comme toutes les femmes enceintes, elle souffre aussi de pas mal de petits déboires, nous allons dire, comme certains effets indésirables, notamment les vomissements. Eh bien, lorsqu'elle était dans un train direction Paris, elle a vomi. Dans une story, elle dit « Il m'est arrivé une folie dans le train, ça ne m'était jamais arrivé, je suis dans mon 4e mois et je vomis encore. » Elle explique qu'il y a eu plus de peur que de mal, mais qu'elle a vraiment dû pousser tout le monde pour aller vomir aux toilettes de ce lieu public, étant donné que c'était plus fort qu'elle. Et honnêtement, je voulais mettre ça là pour plusieurs raisons. Premièrement, si jamais vous avez vécu des expériences anecdotiques, j'ai oublié le mot, mais des expériences du même type parce que vous portiez un enfant, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'aime bien voir un petit peu les vécus des personnes par rapport aux grossesses. Bon, ça peut être positif ou négatif. Ici, c'est surtout stressant et un peu drôle, on va pas se mentir. Mais c'est vrai que ça doit être compliqué, en fait.
fait, de porter la vie, de penser à ta journée et de penser aussi à l'être qu'elle a qui peut te faire des effets indésirables comme des vomissements, de la fièvre. Il me semble aussi que Giuseppa avait parlé de migraines. Donc n'hésitez pas à m'apprendre un peu plus de choses par rapport à ça dans les commentaires. Enfin, je vous parle aussi de Giuseppa parce que beaucoup de gens ont dit que quand j'enlève la perruque, je lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Est-ce que vous pouvez aller voir sur mon Instagram la dernière photo et me dire si vous êtes d'accord ou non? Parce que moi, je ne vois pas de ressemblance, mais tout le monde, même mon petit ami, m'a dit « Mais si, vous avez la même tête !» Ah bon? Par contre, quand j'ai les cheveux longs, on dit que je ressemble à Sarah Lopez, donc je ne sais plus où mettre. Et enfin, je termine le top actu avec Danse avec les stars. Desperate Housewives arrive pour une deuxième fois en France et tout le monde est séduit. Le vendredi 12 janvier, la chaîne a révélé sur son compte X ou Twitter l'identité des trois premières célébrités qui vont intégrer le programme. On a Christina Cordula, styliste et consultante en images. Vous la connaissez, magnifique. On a également la chanteuse Cœur de Pirate qui, après 15 ans de carrière, peut toujours compter sur ses fans vu l'engouement qu'il y a eu. Et enfin, on a un dernier nom. James Denton. Si ce nom ne vous est pas familier, je pense que sa tête si. Il s'agit de Mike Delfino de Desperate Housewives. Il a été extrêmement connu grâce à cette série qui, dans laquelle il a joué entre 2004 et 2012. Aujourd'hui, il a 60 ans et évidemment, il sait qu'il a une fanbase en France. Donc je pense que sa venue va être vraiment attendue. D'ailleurs, j'ai vu en me renseignant qu'en 2022, c'était Terry Hatcher, qui était connu du coup pour le rôle de Suzanne, qui avait été contactée par TF1 pour participer à Mask Singer saison 3. Elle était venue déguisée en coccinelle, etc. Et elle parlait de la fanbase française. Elle disait « Je sais que aussi, depuis les séries Lois et Clark et Desperate Housewives, je peux compter sur une communauté fidèle de fans français. » En fait, je mets cette citation ici parce que ça rend compte que même une star internationale, elle se rend compte un petit peu de qui la regarde, où on la regarde et de ce qui se passe. Elle ne sont pas que dans leur petit monde en train de voler sur leur coffre-fort. Vous me direz ce que vous en pensez, je sais que tout le monde ne parle que de ça, donc je voulais le mettre dans le top actu pour clôturer. C'était donc tout pour ce top actu, on va se retrouver tout de suite pour le cœur de l'actu, il est à peine plus long. Nous avons beaucoup d'actualités dans le cœur de l'actu cette semaine, vous allez voir, on commence avec Sarah Frézou, je pense que ça va un petit peu vous mettre en rogne. On revient sur Maeva Genam, un clash entre Adé et Amandine Pélissard, Camila Panikowski, Mila Vs, l'atelier de Roxane, bref, jingle. N'oubliez pas de liker et partager l'émission, ça aide à la développer les amis. Avant de commencer le cœur de l'actu, je fais quand même un petit message par rapport à mon chien Blue que vous avez vu la semaine dernière. Il y a eu beaucoup de commentaires qui m'ont dit « Waouh, trop bien qu'il soit là, etc. J'espère que tu le prendras à chaque fois. » La réponse est non, les amis. En fait, avant le cœur de l'actu, je fais une pause et je rentre à la maison. Et des fois, Blue veut venir avec moi au bureau. Des fois, non. La semaine dernière, il a voulu. Cette semaine, il n'a pas voulu. Et je refuse de forcer mon chien à venir avec moi en tournage juste pour qu'on le voit à la caméra. Donc non, si jamais vous voulez le voir, c'est sur Instagram. Mais en vidéo, enfin, ce n'est pas un acteur, vous voyez. Ce que je veux dire, c'est un chien libre. Donc voilà, la semaine dernière, il était là. Cette semaine, il n'est pas là. La semaine prochaine, nous verrons. Bon, c'est parti pour le cœur de l'actu. Allez, les 9 actus de la semaine, vous allez voir, elles étaient assez... vous allez avoir beaucoup de choses à dire. Je commence par Sarah Frézou. On ouvre le bal avec Sarah Frézou. C'est un secret pour personne. Elle est souvent critiquée, que ça soit par rapport à sa perte de poids qui a été jugée inquiétante. D'ailleurs, je vous en ai parlé. Ou son physique en général, elle en prend plein la tronche. Pour réagir, on fait pas ça. On critique pas les gens sur leur physique. Par contre, effectivement, on peut s'inquiéter comme je l'ai fait dans ma vidéo YouTube. Que ça soit son physique, son mode de vie, sa famille, rien ne lui est épargné. Elle a été révélée il y a quelques années dans la saison 2 des princes et les princesses. Il n'y avait pas les princesses, juste les princes de l'amour. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce n'est plus du tout la même personne. Côté cœur, Sarah Frézou, elle a aussi eu plusieurs désillusions. Je vous en ai déjà parlé, notamment avec Ahmed, Mehdi, etc. Et dernièrement, c'est son poids qui fait parler parce qu'elle a confié avoir perdu pas moins de 65 kilos. Je vous ai tout expliqué dans une vidéo enquête. On ne va pas revenir sur le sujet ici, ça peut être très dangereux. Mais la fameuse graine magique, etc. Je vous laisserai aller voir. Cette fois-ci, c'est pour une nouvelle chose qu'elle est critiquée, une nouvelle transformation. En fait, elle se montre en story avec des lentilles de couleur bleue et elle était très bronzée parce qu'elle sortait des UV, une séance d'UV. Évidemment, les internautes ont réagi. Beaucoup de gens ont dit que elle avait un trop gros contraste entre sa peau et ses yeux et on a eu la question depuis quand Sarah Frézou est métisse. On peut lire, c'est absolument horrible, c'est trop, c'est affreux ou encore c'est abusé. Il y a des gens qui la comparent avec la poupée de Chucky et surtout il y a une internaute qui lui a dit de faire extrêmement attention et que c'est peut-être mieux d'appliquer de l'autobronzant pour sa santé que de faire des UV. Et en effet, attendez, d'abord regardez. Je fais moins 5 et je suis pire que bronzée, pire qu'un Punta Cana. Non mais regardez ma gueule s'il vous plaît. Il y a même plus de différence avec mes veuches. C'est ce qu'ils veulent être bronzés en max.
Genre, je pense que je peux pas faire plus que ça. Et là, du coup, mes cheveux sont de la même couleur. Il a intérêt à tenir mon bronzage. Vu comment j'ai surbronzé dessus. J'ai hâte de redescendre les têtes demain. Ça va s'atténuer. J'ai bien hydraté ma peau. Bon, je vais rentrer à la maison là. Je vais me faire un petit thé. Les filles, j'espère que ça va. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Et en effet, comme je le disais, il y a des dangers. J'ai fouillé un petit peu. Sur un site du gouvernement, j'ai trouvé la lumière naturelle contient trois types de rayonnement ultraviolet, UVA, UVB et UVC. En France, les cabines de bronzage émettent principalement des UVA, l'éclairement des UVB étant limité par la réglementation. Qu'ils soient d'origine naturelle ou artificielle, les rayonnements UV sont dangereux, entraînant des coups de soleil, un vieillissement accéléré de la peau et plus grave encore, des cancers. Les UV présentent également des risques pour l'œil, tels que la dégénérescence maculaire de la rétine ou la cataracte précoce. Je ne suis pas médecin pour les derniers termes, mais en clair, c'est dangereux. C'est pour ça que tout le monde parle de SPF, de crème solaire, etc. Mais alors, les UV, c'est vrai, j'en ai déjà entendu parler, et ce serait quelque chose qui est très dangereux. Donc, encore une fois, Sarah Fraisou fait ce qu'elle veut, mais il y a des choses à montrer et au moins des prises de parole à avoir. Enfin, ça m'a pris une recherche de me rendre compte que c'était dangereux, donc elle pourrait le partager en story. Vous me direz ce que vous en pensez, faites attention à vous. Je vous en ai parlé sur Twitch de Julien Bert, on en parle exactement ici. Rejoignez-nous sur Twitch, les amis, que ce soit la chaîne de replay ou en live, venez. Je vous raconte ici avec un peu plus de détails, on le sait, suite au procès avec Ilona. Il a dit qu'il n'en restera pas là, c'est d'ailleurs pour ça qu'il a fait appel. Il estime ne pas avoir été condamné et lance un tacle aux blogueurs, dont moi qui relaie l'information. Moi j'ai envie de dire que c'est horrible pour les blogueurs, étant donné que si le mec a merdé, c'est de la faute des blogueurs, donc c'est les blogueurs qui s'en prennent plein la tronche. Et surtout ça dérange pas, enfin ça dérangeait pas Julien Bert quand c'était pour le mettre en avant par rapport à son chien qui est mignon, au fait qu'il ait gagné les 50 et j'en passais des meilleurs, vous inquiétez pas, il était très bien content des blogueurs. Et toc ! Bref, il va falloir patienter un petit peu encore avant qu'il passe devant la cour d'appel une nouvelle fois. Cette décision déterminera si il garde sa condamnation ou si elle change. Il y a plein de choses qui se sont passées en parallèle, je vous en avais pas parlé, mais c'est vrai qu'il y a eu une justice dans la rue littéralement, étant donné qu'il y a quelqu'un qui est allé rayer la voiture d'un ami de Julia Bert, qui est aussi un ami de Ilona. Et oui, ils avaient des amis en commun, donc franchement la personne a très mal visé, mais surtout on fait pas ça, on peut suivre des histoires sur les réseaux, mais on va pas aller rayer la voiture des gens, mais les gens se prennent pour qui? Il y a plus aucune limite et ce monde me fait peur. Récemment, on parle de Julia Bert parce que premièrement on a eu Ilan dans un live qui était avec Sebi Daddy qui a dit qu'il serait ruiné, je vous laisse écouter. Julien Bert, banqueroute. Julien Bert, il est millionnaire, je pense, au moins millionnaire. Mais t'as rigolé. Frérot, tu sais pas, ça se trouve, il a des business, c'est juste qu'il dit, je sais pas, tu vois. Frérot, il est condamné, il doit 120 000 euros à Ilona, qu'est-ce que tu racontes, frérot, il peut même pas les payer. Qu'est-ce que tu racontes, 104 000 non, qu'est-ce que tu en sais pas qu'il veut les payer. Et Ilona, elle a expliqué. Moi, j'ai des abonnés. Moi, j'ai des abonnés à 200 euros, j'ai plus de payer. Non, non, elle a expliqué, il peut pas me rembourser, il a tapé dans l'argent de la société, frérot. Si t'es millionnaire, tu tapes pas dans l'argent de la société, qu'est-ce que tu racontes? Tu n'importe quoi, c'est... tu le sais en plus, t'es vraiment en plus. Non, je te jure. Moi, je pense... Par contre, à l'arc, tu te rappelles, c'est vrai qu'à l'époque, à l'arc, ils dépensaient beaucoup d'argent en bouteilles et tout ça, en boîte de nuit. Ils dépensaient tout, frérot, ils ont tous tout dépensé, c'est ça le problème. Toi et moi, on se partageait les Uber. Ah, ça, un coup. On faisait des journées à 10 000, on se partageait les Uber, frérot. À 10 euros. Mais c'est vrai que quand on creuse un peu, on se rend compte que depuis les dernières semaines, Julien Bert, il est très absent sur les réseaux sociaux. Et donc, le blogueur KRSTV a fait des révélations. Julien Bert n'est pas en prison, il attend son appel. Il serait à Saint-Étienne, pardon, chez son père et il aurait été aperçu en boîte de nuit. Malheureusement, les marques ne veulent plus collaborer avec lui selon les informations du blogueur. Et surtout, il se fait très discret. Julien préférerait ne plus apparaître sur les réseaux du tout. Le blogueur pense qu'il est possible qu'il réapparaisse au fil du temps. Je pense aussi, je pense que bah du coup là il était là juste pour les placements. Les placements, il n'y en a plus, donc pourquoi revenir? C'est vrai qu'on était sur quelqu'un qui malheureusement pour lui vit une véritable chute aux enfers et je pense que les marques ne veulent plus lui et il se montrait principalement pour les collabs. Vous me direz ce que vous en pensez, mais franchement par rapport à cette histoire de voiture, je le reprécise, nous ne sommes pas la justice. On peut commenter l'information, mais nous ne sommes personne, littéralement. Ah, le couple le plus improbable et le plus aimé de L'Amour est dans le Pré fait toujours parler. Oui, oui, Justine et Patrice, je vous ai dit que je lâcherais pas l'affaire. On fera vivre L'Amour est dans le Pré.
Justine a énormément été critiquée pour ses agissements et même Karine Lemarchand en avait parlé lors du tournage du bilan. Elle avait eu des mots très durs envers elle, des mots qui vous avaient d'ailleurs fait réagir et vous aviez dit que vous ne trouviez pas ça bien. Moi, je trouvais que c'était bien dans le sens où il fallait quelqu'un qui recadre Justine et Karine Lemarchand l'a très bien fait avec diplomatie. Bref, depuis que Patrice l'a laissé rentrer dans sa vie, il a changé tout son mode de vie. On a vu des affaires en vente sur le bon coin, la décoration a été refaite et surtout, lors du bilan, on s'est rendu compte que la relation était tumultueuse, assez compliquée. On le sait, Justine, elle a un caractère, elle aime bien prendre des initiatives, elle n'a pas la langue dans sa poche et elle l'a déjà montré. Il semblerait, selon les rumeurs, que les deux soient toujours en couple, je n'ai pas de source sûre. Par contre, il y a un compte qui est lié à L'Amour est dans le Pré qui a partagé une photo de Patrice et Justine à Saint-Jean-de-Luz. On peut lire un petit aperçu du week-end en amoureux de Patrice et Justine à Saint-Jean-de-Luz. Merci à eux pour leur confiance, ce ne fut pas de tout repos, mais je suis ravi de voir que le couple va évoluer et grandir. Et en fait, les gens, ils ont critiqué la photo parce que ils voient que c'est une photo qui a été prise avant. On voit qu'ils sont pas du tout en tenue d'hiver, mais en tenue juste, on va dire, il fait frais, mais il fait pas froid, tu vois. Et donc, les internautes se demandent si le compte en question n'essaye pas de faire du buzz par rapport à leur couple, de republier d'anciennes photos pour en refaire parler. Et donc, ça a relancé la question. Est-ce que Patrice et Justine sont toujours ensemble? Au moment où je vous parle, je ne sais pas. Si vous, vous savez, dites-moi tout ça dans l'espace commentaire. Un combat entre les influenceurs de OnlyFans, ça vous tente? Oui, oui, je parle bien de Amandine Pélissard et Adé Laurent. J'ai pas TikTok, donc j'ai vu ça passer sur Gossip Room, je vous explique. Comme à son habitude, Amandine Pélissard a pris la parole et elle n'a pas la langue dans sa poche. J'adore cette expression, faut que j'en trouve une autre. Elle a été outrée par des propos de Adrien qui reviennent sur elle. Elle explique subir des commentaires désobligeants de Adé depuis quelques temps. Elle a été scandalisée, elle s'est emparée de son téléphone le 9 janvier 2024 et elle a pété un câble. Elle ne nomme personne dans un premier temps, mais elle parle de gens qui parlent tout le temps de sa famille. Un petit peu plus tard, vous allez l'entendre, le nom d'Adé Laurent arrive. Et elle dit qu'il n'a pas été très sympathique à plusieurs reprises. Elle est énervée, elle le traite d'abruti. Elle dit qu'il n'a jamais eu les coronaises de lui dire tout ça en face. Et en fait, Adé Laurent aurait eu des mots vraiment assez déplacés par rapport à l'argent que gagnerait le couple, à ce qu'il ferait, etc. Par rapport au contenu, vous avez un petit peu compris de ce que je veux dire. Enfin, je peux pas dire les mots. Le truc, c'est que beaucoup parlent de guerre d'ego, étant donné que apparemment, d'après ce que j'ai compris, la famille Pélissard gagnerait plus que Adé Laurent, donc Adé Laurent serait jaloux, ou j'en sais rien, je ne sais pas ce qui est vrai, hein. Mais Amandine disait, je parle de monsieur Adé Laurent, qui en plus de se croire beau, ne ressemble à rien, il a le cul d'un poisson rouge, le mec, le pauvre, dès qu'il a envie de tirer un coup, il est obligé de payer. Elle le traite de teubé et de puits à MST, je vous laisse écouter. Alors, pour répondre à cette question, parce que j'ai eu beaucoup depuis hier, ils font ce qu'ils veulent, du moment que les gosses sont bien éduqués. Après, tu vas me dire, c'est très compliqué avec une famille aussi nombreuse. Ils ont une famille assez compliquée, je veux pas te mentir, mais du moment que les enfants sont bien éduqués, il y a pas de souci. Mais je peux pas en dire plus parce que je suis pas dans leur famille, je vois pas ce qui se passe au quotidien, donc c'est assez compliqué à répondre. Mais c'est vrai que c'est assez délicat ce qu'ils font. Là, je fais une story, j'en ai vraiment ras-le-bol des gens là qui parlent de nous, tout le temps là pour, je sais pas, c'est pour faire des vues ou je sais pas. Mais je pense à quelqu'un en particulier là qui a déjà parlé de nous de façon pas très sympathique à plusieurs reprises. Je lui ai jamais donné l'heure, j'ai jamais répondu. Mais à ce coup-là, il y en a ras-le-bol. À un moment donné, il va falloir qu'il s'arrête. Parce qu'en attendant, cet abruti, il a jamais eu les coronesses de venir me dire quelque chose à moi directement. Je parle de monsieur Adé Laurent, qui en plus a l'air de se croire beau alors qu'il ressemble à rien. En plus, il a le cul d'un poisson rouge. Et cherry on the cake, le mec, le pauvre, dès qu'il a envie de tirer un coup, il est obligé de payer. Alors vraiment, mec, tu fais pas rêver. Alors vraiment, tu fais pas rêver, déjà, d'une part. D'autre part, alors, je sais pas, peut-être qu'il a le seum, hein, parce que je pense que depuis un an, ouais, on a fait plus d'oseille que lui sur les plateformes, il est dégoûté. Mais par contre, je te donne un conseil, c'est de ne même plus tu prononces mon nom. Même plus, t'as capté? Tu prononces plus mon nom. Ce n'est pas toi, Amandine Pélissard fait également parler parce qu'elle s'est retrouvée sur un classement Google aux côtés de Kylian Mbappé pour les termes les plus recherchés de cette année sur Google en France. Oui, Amandine Pélissard est dans le top 5, mais surtout, j'ai vu que par rapport à la condamnation, par rapport au vol, etc., c'est tombé et elle a été condamnée à 4 mois de prison avec sursis. J'ai vu l'information sur le compte du blogueur Vario Ecos qui tient l'émission Sans langue de bois que je vous invite à regarder. Vous me direz ce que vous pensez de tout ça et par rapport à la condamnation, je vais un petit peu creuser et soit vous sortir une enquête dans la semaine, soit on en reparlera dimanche prochain.
Des vacances au ski qui tournent mal, c'est parti. Le lundi 8 janvier, Camilla a eu une énorme frayeur. En fait, il faisait pas beau et elle savait que ça allait très mal se passer. Elle ne voulait pas skier, elle filmait la vue de son balcon et elle disait qu'on voyait rien à des quelques mètres. En fait, elle avait très peur, mais Noré, lui, voulait vraiment y aller, son mari. Moi, personnellement, j'ai jamais skié et honnêtement, je serais pas sortie de chez moi, j'aurais eu très peur. Camilla remarque que le temps se couvre de plus en plus, elle devient anxieuse et une fois qu'elle arrive en haut des pistes, bah, elle savait pas comment faire pour redescendre parce qu'elle ne voyait rien. Elle a eu très peur et elle a eu une crise d'angoisse, une vraie. Et on se moque pas de ça, les crises d'angoisse sont absolument horribles à vivre. Camilla, ne voyait plus rien, elle s'est mise à paniquer. Elle s'est filmée en train de descendre les pistes de ski avec beaucoup de précautions. Elle fait savoir qu'elle passait un très mauvais moment, elle aurait préféré rester à l'hôtel et elle l'a dit, elle était tétanisée, elle aurait dû suivre son instinct. Sur les images, on la voit perdue. Sur les stories suivantes, on voit également qu'elle a fait une chute, elle est avec du sang, elle est tombée sur la neige. Elle dit « Je le sentais, je me suis massacrée, je suis bloquée, je ne sais pas comment faire. » Je vous laisse regarder. Bon, on doit aller skier. On a retardé un petit peu, mais on voit même plus le truc des télésièges là-bas. Oh, comment je peux skier sans voir ? Déjà qu'hier, c'était chaud, mais là, ça fait 2 heures. On s'est levé ce matin, on s'est dit « Bon, ça va un petit peu revenir. » Regarde, on voit même pas le ciel. Et on est en bas des pistes, là. On est à l'hôtel. Je me demande ce que c'est sur mon au sommet. Et voilà. Pourquoi mon mari ne m'écoute pas? On vient d'arriver. Les télécabines, on les voit même plus. Comment voulez-vous que je puisse skier comme ça? Je ne vois absolument rien. Non, mais là, réellement, ça va finir en dispute, cette histoire. Babe! Il est où ton plaisir, là, du coup? Il vient de me fracasser. Je me suis massacrée. Voilà. Et je suis bloquée, je ne sais plus comment faire. Bon, c'est un petit peu en train de se dégager là. On est venu jusqu'au sommet pour aller au Bagatelle, donc j'avoue que ça va. Ça en vaut la peine parce qu'on commence à voir des nuages et un ciel bleu. Et ça fait du bien. Cette actu, je la mets pas là pour qu'on se moque d'elle, s'il vous plaît les amis, ne vous moquez pas d'elle. Une crise d'angoisse, c'est absolument horrible à vivre, je vous le dis. Et surtout, en fait, moi je pense qu'elle aurait dû écouter son instinct et que c'est ça que je mets en avant, écoutez votre instinct. Parfois, on sent quand quelque chose est bon pour nous, quelque chose n'est pas bon. Parfois, on fait des erreurs aussi, bah, comme ici. On va dans le choix opposé de notre instinct et on se rend vite compte que non, c'est pas ce qu'il faut faire et on se remet en question, peu importe. Mais je trouve que ici, le message qui est à suivre, c'est qu'il faut pas faire ce que tout le monde veut faire. C'est-à-dire que Noré voulait vraiment y aller, mais Camilla, non. Elle le sentait que ça allait mal se passer. Pour Noré, tout s'est bien passé, hein, parce que bah voilà, il était dans un bon mood, bonne énergie. Camilla, non. Elle y allait à reculons. Et bah, du coup, tout l'événement était à reculons. Elle aurait dû suivre son instinct. Courage Camilla. Encore une fois, je la connais pas, mais j'ai trouvé ça touchant. Et tout ce qui touche l'angoisse, l'anxiété, c'est quelque chose qui me parle. Donc, courage. Un des gros scandales de la semaine était sur Mila et Roxane de la chaîne Atelier de Roxane. Bon, moi je suis pas trop d'accord parce que c'est surtout Loïc qui a pris la parole, mais les deux forment l'entité Atelier de Roxane. Je vous résume tout, il y a une enquête disponible sur ma chaîne. L'Atelier de Roxane sort donc une vidéo qui est aujourd'hui modifiée sur des marques d'influenceurs. La barre d'infos a été modifiée, la vidéo a été énormément critiquée, une séquence a été coupée, une miniature a été refaite. Je vous laisserai aller voir mon enquête. En fait, dans cette vidéo, le couple de l'Atelier de Roxane dit qu'ils n'ont jamais reçu le parfum de Mila après avoir été débité. Ils estiment donc que c'est une honte, ils parlent d'influx voleuse, d'arnaque, etc. Une séquence qui a été beaucoup trop critiquée. Je vous laisse regarder. Enfin, je dis beaucoup trop critiquée, mais en vrai, ils ont été super durs. Mila a décidé de partager une capture d'écran du Colissimo, du bon de livraison, etc. Et c'est ça dont on a parlé sur Twitch en update à mon enquête. Et bah donc, elle montre que le colis a été livré dès le lendemain de son envoi, lorsqu'il a été envoyé. Donc, je peux comprendre que ça ait mis du temps à arriver, parce que c'était en rupture, mais dès lors où ils ont décidé d'envoyer le colis, le lendemain, il l'avait reçu. Mila a annoncé qu'elle prépare une vidéo comprenant toutes les preuves et échanges de mails soulignant que les youtubeurs en question ont menti pour générer des clics en la diffamant et en la présentant comme une voleuse. Elle dit qu'elle comprend pas du tout pourquoi ils ont sorti ce genre de vidéo, surtout qu'ils l'ont tourné 2 à 3 mois avant avoir reçu le fameux parfum. Elle dit que c'est une honte, je crois que j'ai plusieurs magnétos, je vous laisse regarder. Commander un parfum chez Mila Jasmine, on ne l'a jamais reçu. Si j'ai bien suivi l'histoire, on a même demandé un remboursement, on n'a plus de réponse. Mila Jasmine, moi je vais te dire exactement ce que je pense. C'est que t'es... Non mais... Vas-y, j'ai mal pour elle. T'as commencé avec l'intervention de Sarkozy. Non mais juste, pour moi, les gens comme toi, tu fais du mal à tout le monde. Parce qu'on dit influenceur maintenant, mais tout le monde dedans. Mais tu fais du mal à tout le monde. Parce qu'il y en a qui créent leur marque, qui se font des incus comme ça, qui trouvent des concepts, des projets. Et t'as des gens comme toi qui ne créent rien, qui sont personne.
qui font de la merde en longueur de temps parce que leur placement de produit c'est de la merde et qui créent une marque à 74 €, qui est pas un petit prix 74 €, okay. C'est énorme, mais c'est les prix des parfums. D'un gros parfum qui ne l'envoie pas, qui rembourse pas. En fait, le problème c'est que derrière les gens qui vont commander là, ils vont aller sur d'autres sites de gens qui ont vraiment créé c'est et vrai. Vont dire ah putain, du coup j'hésite, je me suis déjà fait avoir en une fait, fois. En fait, c'est tourné sur YouTube très. Et autre chose, j'ai vu un truc tourner sur YouTube très grave hier, mais vraiment des accusations hyper graves à mon encontre. Là, je vais finir de me préparer, j'ai toutes les preuves à l'appui. C'est ça qui est bien, c'est que quand on a une société, forcément, on a tous les échanges d'emails, on a les accusés de réception quand vous vous envoyez un produit, etc. Et c'est très grave là ce qui est en train de se faire, ce qui est en train d'être dit à mon sujet. Donc je suis en train de tout vous préparer et vous allez voir à quel point c'est facile de mentir sur quelqu'un, de manipuler une communauté. C'est très grave. Et franchement, j'espère qu'ils vont enlever cette vidéo et j'espère qu'ils vont s'excuser. Parce que quand je vais vous prouver que ce sont des gros menteurs, vous allez être choqués. Et ensuite de l'update que je vous ai fait sur Twitch, je vous ai raconté donc que le titre a changé, que la miniature a changé, que Roxane et Loïc se sont exprimés publiquement. Ils ne se sont pas vraiment excusés, ça c'est quelque chose qui a été reproché, mais ils ont dit qu'ils auraient dû faire différemment, que c'était un problème de timing. Mais des excuses publiques de vive voix auraient pu être cool, sans mentir, vraiment. Enfin moi personnellement je l'aurais fait, c'est-à-dire que si on me reprochait tout ça, que j'avais fait une big erreur comme ça, j'aurais rectifié le tir en m'excusant publiquement auprès de Mila Jasmine, qui je pense l'aurait peut-être justement bien pris, même si ça a entaché l'image de sa marque. Tu présentes des excuses pour la marque de vive voix dans une vidéo et voilà, enfin c'est pas long à faire. Mila explique qu'elle ne méritait pas d'être traitée de voleuse, d'escroc, etc. Elle a donc décidé de porter plainte pour diffamation et je vous l'ai dit, elle a le droit, c'est littéralement son droit et surtout elle peut gagner. Par contre j'ai vu beaucoup de personnes me dire non mais attendez, là c'est bien beau, Mila elle nous fait je sais pas, une justicière depuis une semaine, mais vous avez vu toutes les arnaques qu'elle fait aussi, enfin ses faux AirPods, ses fausses montres, ses arnaques, etc. Ça a été une influx voleuse. Là c'est pas le cas pour le parfum, mais il y a beaucoup d'autres choses discutables. Donc pour l'histoire Roxane, franchement moi je suis côté Mila, je prends jamais parti, mais là je suis côté Mila et elle a raison de se sentir blessée. Mais après je trouve qu'elle a quand même beaucoup pris la parole et beaucoup envoyé de haine sur le dos des deux autres. Mais c'est vrai que l'atelier de Roxane aussi a envoyé de la haine à Mila, étant donné que Mila a reçu des t'es qu'une voleuse, tu mérites de mourir, meurs, etc. Enfin vraiment des messages qu'elle a montré qui étaient poignants je trouve. Par contre oui, ça c'est cette situation, mais quand on reprend de la hauteur, il y a plein d'autres situations autour de Mila Jasmine où c'est elle qui a arnaqué, c'est elle qui a pas été cool, c'est elle qui a été juste une arnaqueuse et une un peu voleuse. Donc voilà, il y a beaucoup de gens qui disent qu'elle essaye de ramener beaucoup trop de lumière sur cette histoire pour justement qu'on oublie un peu le reste et qu'on laisse tomber. Vous me direz ce que vous en pensez. Maëva Ghanam a refait du bruit ces derniers jours, enfin même ces derniers mois en fait. Let's decrypt that. Maëva Ghanam a opéré un changement radical dans sa vie, on le sait, elle veut être plus en accord avec les valeurs de sa religion, l'islam. Elle réfléchit même à se retirer des réseaux sociaux et de la télévision, mais malheureusement, les derniers temps ne semblent pas cool pour elle. Elle a eu un conflit avec Magali Berda, des ennuis avec sa famille, et ensuite une convocation à la police. Eh bien, le 4 janvier, elle prend la parole pour dévoiler un nouveau problème. Elle a posté un très long message et elle explique une situation complexe dans laquelle elle se trouverait. Elle explique qu'une grande banque de France s'en prendrait à elle sans raison. Elle a demandé des explications, elle a essuyé un refus, et donc Maëva Ghanam qualifie la banque de monstre et de diable. Elle a d'ailleurs parlé de tout ça sur sa chaîne YouTube, je vous laisse regarder. Je vous explique, j'étais concentrée, j'étais au téléphone, je sais pas, j'avais la tête ailleurs, et vous avez vu mes escaliers comment ils sont, et pourtant on a mis des protections, ils sont dangereux, je sais pas, j'ai pas vu, et j'ai pris l'escalier dans mon nez, je me suis pété le nez, regardez. Moi, mon nez là, il est creusé, et là j'ai une grosse bosse, vous voyez ici. Et quand j'ai fait ça, je suis tombée dans les pommes, je vous jure, là par là que j'ai vu les étoiles, j'ai pris genre un chaos, et je suis tombée dans les pommes carrément. Ma mère, elle voulait appeler les pompiers et tout, j'ai dit non, ça sert à rien, je m'en fous, j'ai le nez pété, je m'en fous. Regardez mon nez, je l'ai explosé tellement que j'avais la tête ailleurs, et j'ai frappé fort, et je suis tombée dans les pommes carrément, j'ai vu genre un carreau, les étoiles, je suis tombée par terre.
Ce n'est pas tout, Maëva Guénam s'est également cassé le nez, et ça on en a parlé sur Twitch, d'ailleurs le chat avait un peu ri, on rigole pas, hein, elle était vraiment triste les amis. C'est avec le visage marqué par les larmes, comme je l'ai lu sur Gossip Room, que Maëva Guénam est apparue sur les réseaux sociaux en pleurs avec un problème de physique inattendu. Elle confie avoir endommagé son nez, qu'elle considérait comme autrefois comme un de ses atouts principaux sur son... Un de ses atouts principaux, oui c'est ça, sur son visage. Elle se compare à un totem de Koh-Lanta, elle dit que cette situation ne lui va pas du tout, elle a mal, elle est inconfortable et elle hésite à se rendre à l'hôpital parce qu'elle n'a pas envie de se refaire casser le nez pour le reconstruire. Ça peut vraiment juste totalement partir en cacahuète, littéralement. Maëva parle d'une chute dans les escaliers et elle dit que tout ceci serait parce qu'on lui a mis l'œil. Je cite, regardez mon profil, je ne sais pas si c'est cassé, la flemme d'aller à l'hôpital. Quand je touche comme ça, j'ai tellement mal, tellement que c'est gonflé. Je vous laisse regarder. Vous savez que j'ai reçu des tas de menaces de mort. Mais regardez, ça ne s'arrête pas mes bébés, ça ne s'arrête pas depuis 48 heures sur mes deux téléphones. C'est une dinguerie quand même. Regardez, ça ne s'arrête pas. J'ai porté plainte contre toutes ces personnes et j'espère que justice sera faite, mais c'est très dur. Moi, quand je suis rentrée en France, j'ai très peur. Pour ça, quelques jours, je reçois un appel de ma banque française. J'ai qu'une seule banque en France, c'est là où il y a tous mes comptes. Ils ont décidé de fermer mes comptes. Sans raison. Donc mes comptes société, mon compte personnel. Et quand je leur ai demandé la raison, ils m'ont dit que en fait, il n'y avait pas de raison, qu'ils faisaient ce qu'ils voulaient. Et c'est vrai, je me suis renseignée avec mon avocat, ils ont le droit de faire ça. Et qu'ils fermaient tous mes comptes. Alors que j'ai toujours eu de très très bons rapports avec eux. Ils ont de l'argent à moi, avec lequel ils travaillent, de l'argent que je peux pas toucher. J'ai jamais eu de problème de compte en banque, que ce soit en France ou à Dubaï. J'ai toujours eu de très très bonnes relations avec eux. Et moi, je pense que c'est par rapport à ma prise de position. C'est la banque qui prête de l'argent, qui prête des intérêts. Et les banques, elles gagnent de l'argent comme ça. Et du coup, comme ils m'ont prêté de l'argent, j'ai acheté mes maisons en France comme ça, j'ai été obligée de faire une assurance vie et d'épargner beaucoup d'argent que je ne peux pas récupérer, mais eux, du coup, travaillent avec mon argent. Il y a énormément d'argent. Et du coup, malgré le fait qu'ils ferment mes comptes en banque sans raison, parce qu'ils m'ont dit qu'il n'y a aucune raison, ils ont envie de fermer, ils m'ont dit comme ça au téléphone, ils m'ont dit, c'est comme dans les sociétés, voilà, t'as pas envie de travailler avec quelqu'un, t'arrêtes, c'est comme ça, et je te donne aucune raison, c'est la loi, on a le droit. Et c'est vrai, ils ont le droit. Mais ce qui m'énerve, c'est que, eux, ils continuent de travailler avec mon argent. Évidemment, je leur envoie beaucoup de soutien, pas d'insultes, c'est pas cool, s'il vous plaît. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui apprécient pas Maëva ou la voient vraiment comme un clown, mais elle vient de se péter le nez en tombant dans les escaliers. Enfin, franchement, on n'est pas sur quelque chose de drôle. Et rigoler de ça, ça montre juste, enfin, ça ouvre la porte au karma qui va vous regarder en mode hey, toi aussi tu vas tomber. Donc on rigole pas de ça, j'envoie du soutien à Maëva Guénam. Par contre, il y a quelque chose que j'ai oublié de dire, qu'est-ce que c'est ? Ah oui, pour elle, elle est tombée dans les escaliers parce qu'on lui met l'œil depuis quelques temps. Et pour elle, en fait, c'est quelqu'un qui lui a mis l'œil et qui veut lui faire du mal. Je ne sais pas si c'est le cas, mais dans tous les cas, je lui envoie du soutien parce que la pauvre, et vraiment, ses larmes m'ont beaucoup touchée, elle était vraiment pas bien. Je clôture le cœur de l'actu avec Polska. J'ai vu ça sur le média Serfia. On parle de Polska, dans TPMP ici. J'ai un petit message de soutien pour elle à la fin, s'il vous plaît, écoutez. Elle a eu une intervention sur BFM TV il y a quelques mois qui avait été remarquée. Eh bien celle-ci, hop, on l'envoie aux oubliettes. On a une nouvelle qui va faire beaucoup parler. Sur le plateau de TPMP, on le sait, elle est chroniqueuse et elle a dérapé. Elle s'est permise une remarque un peu déplacée vis-à-vis de la vie privée de Gabriel Attal. Je pense que vous savez qu'il a été désigné Premier ministre par le président Emmanuel Macron. Gabriel Attal a été désigné comme son successeur ce mardi 9 janvier 2024. C'était déjà le ministre de l'Éducation de la Jeunesse. Il a 34 ans. Et il devient le plus jeune Premier ministre de la 5e République. Par conséquent, il y a un nouvel gouvernement qui a été annoncé. Je vous renverrai à Hugo Décrypte pour tout comprendre parce que je ne suis pas du tout calé politique et il a fait un post très bien expliqué. Bref, Gabriel Attal, c'est aussi quelqu'un qui a une vie privée qui est tout le temps sujet aux discussions parce qu'il n'a jamais caché son homosexualité. Et attention, c'est tellement spectaculaire. Bref, malgré tout, il n'en parle pas souvent non plus. Enfin, moi, personnellement, vous voyez, j'étais pas au courant, justement, parce que je ne suis pas trop axé politique. Mon petit ami le savait, et visiblement, Polska aussi. Et justement, vu que c'est un sujet de conversation, imaginez sur les plateaux télé. La chroniqueuse Polska s'est permis une remarque à ce sujet sur le plateau de TPMP. Je dois tout vous détailler, parce que je ne mettrai pas la séquence dans mon émission. Le mercredi 10 janvier 2024, Cyril Hanouna propose un débat autour de la nomination du nouveau Premier ministre. Il avait une cote de popularité entre 23 et 30%, Gabriel Attal était sur toutes les lèvres. A commencer par Polska, qui a dit, je cite, et c'est pas drôle, attention, je le dis avec le sourire parce que l'événement, enfin, la situation est quand même spéciale, mais moi je trouve pas ça drôle, attention.
Et surtout, on ne dit pas ça, enfin, c'est un manque de respect. Moi, je m'en fiche qu'il se prenne quelque chose dans les fesses, tant que c'est un bon ministre. Alors déjà, honnêtement, je vois la nuance, elle a dit fesses, ça c'est bien, parce que d'autres sur TPMP n'auraient pas dit fesses. Par contre, effectivement, on ne peut pas dire ça à des gens en direct, encore moins d'un homme politique. Donc, Polska, de toute façon, ça se voit sur sa tête, et juste après, elle est en mode, oh, qu'est-ce que j'ai dit? Donc, je pense que sa pensée a dépassé sa parole. Il faut faire très attention. Cyril Hanouna réagit, il la vire du plateau, il lui dit, tu sors, on rigole pas avec ça. Valérie Benaïm, oui, je l'ai bien prononcé, haha, a dit que c'était quelque chose qui était catastrophique. Géraldine Maillet, de son côté, a expliqué que bah, ce genre de bourde, ça peut arriver sur le plateau et que c'est pas la première fois et que bah, ça arrivera encore. Jusque-là, franchement, c'était vraiment déplacé en vue de la personne et de la situation. Vous allez voir, on parle un petit peu de la même chose dans les gros dossiers juste après. Mais quoi qu'il en soit, j'ai pas de séquence pour vous. Je voulais réagir sur le comportement de Polska dans TPMP. Je pense que c'est quelqu'un qui est aimé pour sa spontanéité et je pense que là, elle sait que sa parole a dépassé sa pensée et que c'est pas quelque chose qu'il fallait faire, mais bah au moins j'ai envie de vous dire, elle a été au courant, ça lui servira de leçon. Par contre, je vous l'ai dit il y a pas longtemps, mais j'envoie encore une fois un message de soutien quant au contenu de Polska, parce que Polska devient quelqu'un qui est très créative. Elle travaille ses contenus, que ça soit sur YouTube, que ça soit sur Twitch, elle travaille vraiment ses contenus. Je trouve que c'est très bien et je pense qu'elle est en train de se créer une image de créatrice de contenu et chroniqueuse que j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, j'ai vu qu'il y a quelques jours, elle est venue aimer mes photos sans perruque sur mon compte Instagram. J'ai rougi parce que croyez-le ou non, mais pour moi, Polska, c'est genre le top level de la chronique pour le moment, genre. Enfin, du moins, dans mon style de réaction aux actualités, je la rejoins beaucoup, j'aime beaucoup la femme qu'elle est, et j'espère un jour avoir le cran de dire les choses qu'elle dit, pas par rapport à Gabriel Attal, on va pas se mentir, mais notamment par rapport à Gérard Depardieu sur TPMP, elle avait eu une parole, mais tellement captivante, et ça m'inspire, perso. Voilà tout le monde pour le cœur actuel, j'espère sincèrement qu'il a pu vous intéresser. Si c'est le cas, on n'oublie pas de liker et partager l'émission, ça aide beaucoup. En ce qui me concerne, je vous retrouve juste après pour les gros dossiers, trois gros dossiers cette semaine. Kevin Gage, le mariage religieux de Emine et Mélanie vs Bastos vs Julien Bert. Ouais, je vous raconte tout. J'ai même pas mis de gloss pour cette émission, j'espère sincèrement qu'elle vous plaît. Bon allez, jingle! Pour les gros dossiers cette semaine, vous le savez, je reste sur mes notes. Je commence par vous parler de Kevin Gage. Ça a vraiment été une des grosses actus de la semaine. Kevin continue de faire parler, mais il nous faut un peu de contexte pour celles et ceux qui ne regardent pas les enquêtes ou les lives. Tout est en barre d'infos et je vous laisserai fouiner sur ma chaîne. Il faisait la publicité pour un restaurant il y a quelques jours. Il était accompagné de sa petite amie Chloé et de sa fille Ruby. Et Kevin s'est retrouvé au cœur d'un scandale. En fait, sa petite amie a proposé de l'alcool à sa fille et Kevin a été accusé de négligence. Je vous ai fait une enquête, je vous ai tout expliqué pour vous en reparler là. Moi, je pense que il n'avait juste à pas mentir en plus de tout ça. C'est-à-dire que c'était une erreur pour moi. Chloé n'avait rien à dire par rapport à Ruby, c'est-à-dire qu'elle n'a pas lui proposé de l'alcool. Par contre, après tout ça, Kevin Gage a menti. Et ça, c'est un truc que je n'ai absolument pas validé. Et bah, vous allez voir dans l'enquête si jamais vous la regardez. La séquence provoque l'indignation de nombreux internautes, mais surtout de Carla Moreau, qui poste une story avec des émojis en train de vomir pour bel et bien montrer son dégoût. J'ai fait un petit magnéto récap de tout ça où on voit la story, Kevin qui réagit, Carla qui réagit. Je vous laisse écouter. Cinéma. Et franchement, c'est un des endroits que je kiffe parce que c'est un endroit où vraiment tu t'y sens bien et tu peux vraiment passer une très très bonne soirée. La Joliette, c'est pas un quartier que je vais en général, mais c'est vrai qu'ici, c'est un endroit vraiment que j'aime. Il y en a vraiment pas qui cherchent la petite bête. Vous êtes des fous. Voilà. Dans ma vie, vous êtes fous. Il y a une story. C'était un Virgin Morito. Je viens un petit peu vous donner des nouvelles, parce que depuis hier, je vous ai laissé son news. Je pense que vous avez compris pourquoi. Je vais m'abstenir de parler davantage. Vous savez ce que je pense. Je pense que j'ai pas besoin, moi, de faire 48 stories, 48 vidéos pour dire les choses. Je vous ai dit ce qui était sur mon cœur. Maintenant, on va passer à autre chose, parce que vous le savez comment je suis. J'utilise jamais mes réseaux sociaux pour régler ce genre d'histoire. Je me suis retrouvée dans une polémique où j'avais pas à être. Donc voilà, je vais essayer de parler positivement, même si c'est pas forcément évident. Quand t'es maman et que tu vois ce genre de choses, je vous avoue que c'est pas évident, vraiment. Maintenant, je vais essayer d'être encore et encore beaucoup plus forte que ça. Voilà.
Kevin Gage est allé plus loin et en fait il commence à parler des horreurs que Carla Moreau aurait faites. Il a expliqué que lui il ne montre plus sa fille mais que Carla le fait. Il laisse sous-entendre que Carla fait de l'argent sur le visage de sa fille et selon lui la justice fera son travail. Alors honnêtement, moi je vous l'ai toujours dit, le fait que Kevin Gage ne montre plus sa fille, je trouve ça bien, mais pourquoi est-ce qu'il attaque Carla dans cette polémique? Pourquoi est-ce qu'on a un scandale qui sort sur le fait que Kevin négligerait Ruby pour de l'alcool? Et on parle de Carla qui fait des choses et des choses et des choses. Le but était de piquer Carla ou le but était de se dédouaner de quelque chose pour renvoyer sur Carla? Quoi qu'il en soit, je n'apprécie pas forcément Carla. Je la porte pas dans mon cœur, je la connais pas personnellement. Kevin non plus, j'ai pu échanger avec lui et franchement ça m'a juste gavé, je vais pas vous mentir, étant donné que j'ai vu quelqu'un en fait qui ne fait que mentir. Vos avis, ils sont un petit peu pareils, ils rejoignent le mien. Pourquoi est-ce qu'il ment? Pourquoi est-ce qu'il montre ça? Il aurait pas pu refaire sa story après. Oh là là, pourquoi il parle de Carla? Vous êtes un peu d'accord suivant Twitch et les enquêtes, j'ai un peu tout relevé. Mais à côté de ça, c'est aussi son couple avec Chloé qui fait parler. Parce que lors d'un live TikTok, il parle mariage. Il parle mariage avec un internaute, on lui pose la question, il dit pas aujourd'hui, pas demain, peut-être après-demain. Et à la suite, vous allez voir un autre magnéto où il est en live avec Raphaël Pépin. Et encore une fois, il parle de mariage. Écoutez. Tu vas te marier avec ta nouvelle meuf? Oui, sûrement. Hein. Pourquoi vous voulez pas que je me marie? Pas aujourd'hui, pas demain. Peut-être après-demain. Ah oui. Vous êtes connu comment avec Chloé en soirée? Montre ta copine. Ma femme, je t'explique. Allô, je sais pas combien de valises à prendre, mais elle a laissé 48 tenues, frère. Non, mais je veux me marier, moi, ça y est. Vous êtes marié? Il a raison, moi aussi. Est-ce que vous trouvez ça bien ou pas? Parce qu'elle est en train de me faire yes. Oui, oui, magnifique. Magnifique les bottes. Chloé, ici à Paris, il fait joli. Ressenti moins une gis de bille. Mais deux jeans. Jolie, trop belle, merci. Les sangs. Et vous croyez que j'allais choisir un cadavre? Je sais pas comment ça va. Ouais, là, c'est bien. Tu t'en fiches. Mais non, je m'en fiche pas, c'est trop beau. Non, mais je prends cette veste ou cette veste? Prends les deux. Moi, j'aurais pris les deux depuis tout à l'heure, je te dis. Quand j'avais préparé cette actu pour Twitch, moi j'avais écrit que peut-être il allait vraiment se marier, même si je pensais que les internautes abusaient un peu. Mais mon chat Twitch a vu ça autrement, et du coup je le mets en avant ici sur MTT. Beaucoup de gens pensent que tout ça n'est que pour piquer Carla. C'est-à-dire qu'on a eu des stories avec une bague, on a Kevin qui parle souvent de mariage, et pour les internautes, le but de Kevin Gage est soit de faire grossir cette polémique mariage pour qu'on oublie la polémique Morito, comme je l'ai appelée, ou alors pour piquer Carla et juste lui envoyer des balles perdues. Et en fait, cette théorie, elle prend sens quand on regarde un petit peu plus loin. C'est-à-dire que là, on parle du mariage qui pourrait piquer Carla, mais j'ai aussi vu un magnéto où on a Julien Guerrado, Greg Yega et Kevin qui parlent d'alcool, de Morito, etc. Et donc, ce magnéto a été pris personnellement pour Carla ou pour les internautes. Je vous laisse écouter. Et comme bien même. Ok, ça peut être aussi un hasard. Mais du coup, on m'explique pourquoi est-ce qu'il s'est montré avec Manon Tanti, la qualifiant de meilleure amie, alors qu'on sait que c'est la pire ennemie de Carla Moreau. Je ne sais pas. C'est quelque chose qui, pour les internautes, était encore une fois un pic pour Carla. Je vous laisse regarder. Nous vraiment, on est vraiment les meilleurs amis du monde. Vous avez la main droite? Jus de jure. Avec ma meilleure amie. On dirait le début d'une guerre des ex, une fois de plus, et en fait je trouve ça dommage parce que Carla sort son livre, Kevin répond et attaque, et maintenant c'est Kevin qui attaque, du coup Carla doit préparer une réponse pour dans les 6 mois prochains. En fait c'est soit ils se font vivre comme ça pour avoir des vues story, soit je sais pas, il y a encore quelque chose entre les deux. Pour moi, on avance en fait, tout simplement, on avance, et surtout on ne partage pas ça sur les réseaux. C'est-à-dire que j'ai pas trop compris non plus, et tous les fans de Carla vont m'insulter, mais j'ai pas compris pourquoi est-ce que Carla a pris la parole autant de fois pour dire qu'elle ne veut pas régler ça sur internet. En fait, je peux comprendre qu'on prenne son téléphone et qu'on fasse une story et qu'on dise je ne reviendrai pas sur tout ça, nanana, nanana, les seules choses que j'ai à dire sont et ça. Mais pourquoi en reparler après, même si l'autre te pique? Pourquoi continuer? En fait, les deux s'engrènent dans quelque chose que moi je commente et du coup qu'on remet en avant. Oui, mais Rudy, t'es hypocrite, ça te fait vivre et ça fait vivre ton travail. Hypocrite. Donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez, mais beaucoup de gens pensent à une guerre des ex qui est en train de commencer.
Deuxième gros dossier de la semaine. Alors, c'est un sujet qui n'a pas du tout été mis en avant, je trouve, mais je vous parle du mariage religieux de Emine. Je vais vraiment rester sur mes notes, vous comprendrez à la fin. Ce sujet n'a pas été mis en avant, pourtant, je trouve qu'il a une certaine importance, le mariage religieux de Emine, comme je viens de vous le dire. Alors, soyez cool dans les commentaires, parce que c'est vrai que sur Twitch, j'ai vu qu'il n'était pas beaucoup apprécié depuis la prise de parole de Maïsan. Je peux comprendre, il n'y a aucun souci avec ça, mais ne soyez pas trop virulents. On rappelle que Maïsan avait fait de très grosses révélations par rapport à Emine, hein, une grossesse inattendue, de la manipulation, etc, etc. Je vous laisserai aller voir mon enquête dessus, j'avais fait une enquête complète sur tout le couple. Et bien, le samedi 6 janvier, c'était le jour du mariage religieux de Emine avec son amoureuse. On a donc pu voir tous ses proches, notamment la GLC Family, avec Eva Queen, Jazz, Laurent, Noémie et son frère Sissika, ou encore Justine. Et bien justement, Noémie a reçu énormément de messages, parce que les internautes ne comprenaient pas pourquoi elle était là-bas. Noémie est une amie de Maïsan, et donc l'amie de Maïsan va fêter le mariage religieux de l'ex de Maïsan qui lui a fait du mal. Mais on n'a pas le droit de faire ça. Évidemment que si, on a le droit de faire ça, et c'est d'ailleurs Noémie elle-même qui a dit que Maïsan lui avait conseillé d'y aller. Enfin, Maïsan sait faire la part des choses quand même, et Noémie fait partie de la GLC Family, donc pour moi c'était logique qu'elle y soit. Je trouve que les internautes vont un peu loin. Après, je peux comprendre qu'on se pose la question, mais de là en créer une polémique, non. Évidemment, les proches de Emine étaient très heureux pour lui. Son bonheur a vraiment explosé ce jour-ci. Par contre, on a eu des polémiques sur les réseaux, étant donné qu'il y a beaucoup de gens qui ont essayé de voir le visage de son amoureuse, visage qui a été caché jusqu'ici. Malheureusement, il est sorti, étant donné qu'il y a des photos, des vidéos qui ont fuité, et les internautes ont repartagé ça en masse, et en scrutant les différentes stories, les invités et les machins, le visage de la femme est ressorti, et donc c'est quelque chose qui a été mis en avant. J'ai pris la décision de ne pas le faire ici, parce qu'il me semble qu'elle ne le voulait pas de base, et je respecte ça. Ce ne sont pas aux internautes de trouver le visage de la femme de quelqu'un qui n'a pas envie d'être exposé. Et attendez pas qu'on vienne me dire ouais, ils n'avaient pas filmé le mariage ou quoi. Je suis pas d'accord. En fait, je suis pas d'accord du tout. On a le droit de... par exemple, Jazz a le droit de filmer un moment du mariage. Peut-être que la femme était tout en fond. Ce que je trouve creepy, ce sont les internautes qui font des captures d'écran, qui vont zoomer jusqu'au bout et repérer qui est qui pour trouver la femme et les mines, et ensuite la faire correspondre aux autres vidéos et aux autres stories. Faut remettre les choses un petit peu dans l'ordre, hein. C'est pas l'influenceuse qui filme le mariage pour le coup qui pose problème. Ce sont des internautes qui vont vraiment regarder pixel par pixel pour retrouver des choses. Moi, c'est ça qui me dérange. C'est pas les gens qui filment un mariage. Et bien, peu de temps après ce mariage, bon, déjà, on a eu la polémique donc autour de sa femme, mais surtout, on a eu une nouvelle polémique qui n'est pas du tout passée pour moi. On a des spéculations autour de l'orientation sexuelle de Emine qui ont vu le jour sur internet. Il y a beaucoup d'internautes qui ont dit qu'il était homosexuel. Depuis, c'est une rumeur qui s'est répandue absolument partout. Emine est marié avec une femme, mais tout le monde dit que cette femme est une couverture pour cacher son homosexualité. Évidemment, étant hétéro, Emine n'apprécie absolument pas ces rumeurs. Il a pris la parole le mardi 9 janvier sur Snapchat et il était vraiment énervé. À en croire ses paroles, il ne veut même pas prêter attention à ces personnes et il dit juste que ça ne le regarde pas et que ce n'est pas de son dos ni son karma de dire ce genre de choses. Alors écoutez bien les mots que je vais prononcer avant qu'on me mette dans une sauce monumentale. Je trouve ça horrible en fait qu'on lui fasse vivre ça. Et non, être homosexuel n'est pas horrible, je le suis. Ce que je veux dire, c'est comme si moi en fait on me faisait courir une grosse rumeur qui disait que j'étais en couple avec la femme d'un ami ou peu importe. Mais c'est pas le cas, je suis homo, vous voyez ce que je veux dire. Et en fait je me dirais mais pourquoi est-ce que les gens vont jusqu'à inventer ça pour me nuire ou j'en sais rien, alors que être hétéro n'est pas un problème. Mais dans mon histoire personnelle, c'est pas quelque chose qui me correspond. Et bien pour Emine, je suis désolé, mais pour moi c'est pareil. Le pauvre, il vient de se marier et on lui met des rumeurs de changement d'orientation sexuelle comme ça sur le dos alors qu'il a rien demandé. Et s'il y a quelqu'un qui a bien appuyé cette rumeur, c'est Maïsan au cours d'un live où elle fait sous-entendre que effectivement Emine aurait eu un rapprochement pour les hommes. Alors je ne prends pas cette story comme information véridique, mais elle est sortie donc je vous la mets. Elle a été prise sur le compte du blogueur DumpFR. Visionnez. Ah, ouais. C'est pas toi qui fais des vidéos de cuisine avec ton mari? Bah si. Tu cuisines quoi par exemple? À quel mari? Il s'appelle comment ton mari? Mon mari s'appelle Thibaut. Je l'ai pas encore présenté. Est-ce que c'est un des prénoms que l'autre t'a menti? Il t'a dit qu'il s'appelait Thibaut? Non, il avait pas dit. Il avait dit Malik. Et ça c'est vrai. Dites-vous, elle a un ex. Il lui mentait sur tout. Il lui a menti même sur son prénom. Mensonge. Genre 10 mois. Et on a découvert de la master... Bah quoi que tu me diras, c'est un peu pareil. Moi, il m'a menti sur son ordre. Vous me direz ce que vous en pensez, quoi qu'il, je tiens quand même à préciser, d'ailleurs je l'ai pas dit pour Kevin, mais c'est pareil, les mariages, etc., ce sont des événements d'amour, donc pour moi,
on doit célébrer un mariage, mais on peut pas tout mélanger. Et effectivement, je ne porte pas Emine dans mon cœur de par les révélations qui ont été faites par Maïsan. Par contre, c'est pas parce que je porte pas quelqu'un dans mon cœur qu'on doit accepter de voir cette personne subir des rumeurs de changement d'orientation sexuelle alors qu'elle n'a rien demandé. Donc voilà, du bonheur pour le mariage. Je trouve ça horrible qu'on ait scruté sa femme à ce point. Et surtout, bah, je trouve ça pas cool par rapport à ces dernières rumeurs, que Maïsan d'ailleurs est en train d'appuyer. Hein. Donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez. C'était pour le deuxième gros dossier de la semaine. Dernier dossier de la semaine, je fais comme la semaine dernière, j'ai pas forcément de script, je vous renverrai à ma grosse vidéo enquête qui détaille tout parce que le sujet est très important, très lourd je trouve, et je pense qu'il faut vraiment toutes les informations, mais je voulais quand même vous en parler ici pour celles et ceux qui ne regardent pas les enquêtes. Mélanie Dedigama a lancé un appel à l'aide sur TikTok il y a quelques jours où elle explique que Bastos s'en prendrait à elle depuis les 7 dernières années en parlant d'elle régulièrement sur les réseaux, pas forcément de manière positive, etc. Bastos avait déjà réagi à tout ça, et moi de mon côté j'ai donc décidé de vraiment creuser dans les détails de 2017, même un peu avant, jusqu'à aujourd'hui pour tout remettre dans l'ordre, et c'est donc de ça que traite ma vidéo enquête. Mais je vous raconte quand même ce qui s'est passé globalement dans l'actualité ici. On a donc Mélanie qui a sorti un très long TikTok de 3 minutes où elle explique qu'elle en peut plus, qu'elle est à bout, qu'elle est fatiguée et qu'elle est à deux doigts de dire tout ce qu'elle sait sur Bastos et sur sa relation passée. Ceci suite à une blague même, qui n'est pas une blague, qui a été faite sur une vidéo de Laura Lempicka, candidate également, où Bastos explique que pour rire, il aurait fait semblant d'être le père de la fille de Mélanie Dedigama. Je vous laisse écouter. À vous, j'ai fait des blagues. C'était un blagueur. Tu vois, par exemple, un jour, j'avais dit que son bébé, il était peut-être de moi. Je sais que dans la vidéo, il y a plein d'autres choses. Je sais qu'il y a plein d'autres choses à pointer. Tout est dans mon enquête. Je ne vais pas vous refaire 40 minutes de ce sujet pour une émission qui dure déjà longtemps. Donc, je vous inviterai à aller la voir. Je vous laisserai avec le magnéto de Mélanie à la fin. Mais je tiens quand même à préciser que, vous le savez, ça m'a énormément touché. Je vous en reparle aussi ici pour une petite raison. Julien Bert est sorti de nulle part et a commenté le TikTok de Mélanie. Oui, oui. Julien Bert est apparu sur TikTok. Il a commenté le post de Mélanie et il a écrit « T'inquiète pas, tout se saura bientôt, comme on le sait déjà, nanana. » Laissant sous-entendre qu'il est déjà au courant des choses et que peut-être Julien Bert aurait aussi des choses à dire sur Bastos. Par rapport à vos avis dans les commentaires de cette enquête, où il y a beaucoup de gens qui sont assez choqués, qui suivent Bastos mais qui n'apprécient pas le comportement qu'il a par rapport à Mélanie Dedigama, c'est mon cas. Je n'apprécie pas le comportement qu'il a pu avoir d'après tout ce que je vous ai dit dans la vidéo enquête. Franchement, j'étais assez surpris de me remettre tout ça en tête et de me dire « Ah ouais, il y a eu tout ça quand même ». Par contre, la haine que Bastos se prend quand même aujourd'hui, c'est hors de question. Le harcèlement qu'il lui a infligé, c'est hors de question. Et Mélanie, si elle a quelque chose à faire et que vraiment elle veut réparation ou même qu'il ne parle plus d'elle, il faut qu'elle saisisse la justice française. Je dis justice française parce que cette histoire se passe sur le sol français et elle est à Dubaï. Mais voilà, je vais vous laisser avec le TikTok de Mélanie pour clôturer ces gros dossiers. Mais il est vrai que quand même la réponse de Julien Bert, ça m'a fait un peu genre « what ?» Et du coup, je voulais savoir si vous l'aviez vu et ce que vous en pensez. Je vous laisse avec le TikTok de Mélanie, il dure 2 minutes 56 pour être exact. Et on se retrouvera pour l'Astro Actu. Voilà l'attitude parfaite d'une personne qui est complètement pervers narcissique, condescendante, arrogante, imbue de sa personne, mauvaise, mal intentionnée, mythomane, misogyne, méchante, jalouse, frustrée et j'en passe. C'est une attitude qui est normalisée sur les réseaux. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point c'est grave? À quel point ce sont des choses qui sont faites juste dans l'intention de me blesser, de me faire du mal et pour que je dégoupille et que je réalise enfin son rêve, que je parle de lui? Vous vous rendez compte la gravité des choses, la gravité psychologique de ce mec? Vous vous rendez compte comment il essaye d'avoir de l'emprise sur les gens? Ça fait 7 ans que je me terre dans le silence. J'ai dû ouvrir ma bouche 2-3 fois maximum. Et tout ça sur les centaines, voire les milliers de commentaires, insultes, vidéos, propos méchants, haineux, injurieux qu'il a pu faire sur moi. Je ne sais pas comment vous dire, je suis une personne, je déteste ce genre de vidéos. Parce que sinon, j'en ferai plein, croyez-moi. Je connais tous les petits secrets de tout le monde. Ouais, ouais, et tout le monde le sait. Il y a un moment donné, quand vous vous attaquez à la famille de quelqu'un ou à l'enfant d'une maman, je vous garantis que ça change la donne. Et là, en l'occurrence, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Je vais vous dire, j'ai un truc, j'en peux plus. En fait, j'ai tellement pleuré, seule dans mon coin. Je me suis tellement tue, j'ai tellement pris sur moi. Mais là, aujourd'hui, j'en peux plus, en fait. J'en peux plus. Je suis fatiguée. Je suis tellement fatiguée. Je parle de personne, je fais pas de bad buzz, je fais pas de buzz, je raconte pas d'histoire, je reste dans mon coin, tranquille, je fais d'ombre à personne, je fais chier personne et les gens continuent à me casser les pieds. Pas les gens, pas le public, mais les personnes de ce milieu-là.
Alors qu'est-ce que je fais? Est-ce que je sors du silence et moi aussi je me mets à balancer des gros dossiers? Est-ce que je fais finalement ce que je vais critiquer? Quoique sur moi ça balance des choses, mais en plus de ça c'est des mythos. Donc qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais honnêtement? Je me laisse insulter parce que c'est normal? Vous feriez quoi, vous, à ma place? Vous resteriez encore dans le silence, à ne rien dire, à laisser votre famille se faire insulter? Qu'est-ce que vous feriez? Dites-moi, vous, qui avez certainement des enfants, des frères, des sœurs, une famille, des gens qui vous regardent sur les réseaux sociaux, et que ça fait 7 ans que la même personne vous dénigre, parle mal de vous et en rigole. Qu'est-ce que vous feriez à ma place? Je suis fatiguée. Vraiment, je vous le dis, je suis fatiguée. J'en ai marre que ça soit toujours la même chose. Et que dès qu'on s'exprime, là je sais que la vidéo que je suis en train de faire, on va se dire, ouais, regarde là, elle, nanana, elle veut du buzz, elle manque d'argent, elle a besoin de ci, elle a besoin de ça. Non, en fait, j'ai juste besoin d'avoir la paix. Vous comprenez pas en fait que je parle de personne parce que je veux juste qu'on me laisse tranquille. Je veux juste faire ma petite vie tranquille. Voilà tout le monde pour les gros dossiers, j'espère sincèrement qu'ils vous ont plu. On se retrouve pour l'Astro Actu tout de suite. Ça va être une astuce très simple pour retrouver l'élément de votre signe chinois. Et après la découverte de la semaine, qui est un gros message pour une collègue, Anouchka. Oh my god, j'étais en pause et je viens de voir qu'on a dépassé les 600 abonnés sur la chaîne de replay, merci beaucoup. Pour l'Astro Actu, cette semaine, je vous parle donc d'une astuce simple pour connaître l'élément de votre signe astrologique chinois, parce que c'est vraiment quelque chose qui est en train de ressortir, comme chaque début d'année. Je vous parle de ça sur le média elle.fr, je vous explique, c'est parti. Il faut savoir que l'astrologie chinoise possède la particularité d'attribuer à chaque année un signe du zodiaque, mais aussi 5 éléments astrologiques, métal, eau, bois, feu ou terre. Le même signe astrologique n'aura donc pas la même signification suivant son élément. C'est ainsi que le coq de métal serait plus cérébral qu'un coq de feu et moins aisément communicatif qu'un coq d'eau. Si jamais vous connaissez votre signe chinois, jouez avec moi dans les commentaires. Si jamais vous ne le connaissez pas, faites la recherche, mettez pause et après revenez jouer les amis. Je précise quand même que nous sommes toujours dans les signes 2023 pour l'astrologie chinoise, étant donné que le nouvel an chinois aura lieu le 10 février 2024. Donc me concernant par exemple, je suis un tigre. Pour en revenir sur l'astuce, écoutez bien, si vous connaissez votre signe chinois, vous serez un astrologique métal si votre année de naissance finit par 0 ou 1. Vous serez eau si votre année de naissance finit par 2 ou 3. Bois si vous finissez par 4 ou 5. Feu 6 ou 7. Ou encore terre 8 ou 9. Personnellement, je suis un élément de terre et j'aimerais voir ce que ça apporte. En fait, chacun de ces éléments correspond à une énergie et donc une atmosphère, une symbolique générale. On les associe aussi aux parties du corps. Par exemple, l'énergie bois est liée à l'est, au soleil levant, et donc ça parle des commencements. Pour le bois, ça symbolise l'énergie, la croissance ou le renouveau du printemps. Mais faut arrêter, les gars. Écoutez, on sort du script. Là, j'arrête pas de voir des trucs qui me disent Rudy renouveau, Rudy rebranding personnel. Eh, mais tout le monde veut que j'enlève ma perruque, en fait. Vous voulez que je l'enlève, là? Je l'enlève, hein. Je l'enlève, là, tout de suite. Non, je rigole pas comme ça. Mais donc voilà, petite astro-actu assez fun, assez interactive, j'ai envie de dire. Dites-moi si ça vous a plu. J'essaye d'innover pour les astro-actu parce que j'adore. Et enfin, pour la découverte de la semaine, cette semaine très court, mais je voulais envoyer un énorme message de soutien et d'amour à Anouchka, qui est chroniqueuse sur l'émission de Aja, mais aussi avant tout une personne à part entière, c'est-à-dire qu'elle est influenceuse, elle est aussi créatrice de contenu, et je voulais mettre sa chaîne YouTube en avant, parce que Anouchka est quelqu'un qui se lance sur YouTube, c'est quelqu'un qui bosse beaucoup ses vidéos, elle fait tout, toute seule, par rapport au montage, aux intros, etc. Toutes les choses que vous voyez, elle se creuse la tête à essayer de les comprendre et les faire. J'essaye de mon côté aussi de lui donner des petits tips pour vraiment lui apprendre à pousser sa créativité au next level, mais je sais que YouTube lui tient à cœur, donc j'avais envie de la mettre en avant dans cette émission. J'aurais jamais pensé faire ça un jour, mettre en avant quelqu'un que je regardais moi-même à la télé, mais j'ai envie de la mettre en avant. Allez lui envoyer de l'amour, du soutien si vous l'appréciez, et pourquoi pas vous abonner à sa chaîne YouTube. Je vous mets le lien en barre d'infos, mais je voulais vraiment juste envoyer un petit message d'encouragement. Anouchka, tu gères, si tu passes par là, et je pense sincèrement que tu iras loin sur YouTube si tu t'en donnes les moyens. Mais voilà, gros bisous. Voilà tout le monde pour votre émission de la semaine. J'espère sincèrement qu'elle a pu vous intéresser et vous plaire. Si c'est le cas, on n'oublie pas de liker, commenter et vous abonner en émoji de la semaine. Je veux voir une dame qui coupe des cheveux, là, un émoji coiffeur ou des ciseaux. Si vous voulez que j'enlève cette perruque, mettez-moi une inondation de ciseaux et de coupe de cheveux dans les commentaires et on verra. Déjà, j'ai dit dans les enquêtes, il n'y a plus, mais peut-être que pour MTT, il n'y aura plus non plus.
N'oubliez pas de me rejoindre sur les réseaux sociaux Twitch et la chaîne de replay. Je vous aime d'amour, merci pour votre fidélité et j'ai hâte d'être la semaine prochaine pour vous retrouver pour un nouveau Mix the Tea. Bye guys, love you.